wakutuleta hapa katika chumba kwa ibada ya asubuhi ya leo. Malaika zako walio charge kusupervise ibada waje hapa. Roho zetu zipate kuwasiliana na nguvu za Mungu. Na tunapoanza na kumaliza tuseme tulisikia presence yako. Hallelujah. Bwana wa majeshi. Yesu Kristo. Karibu katika kundi la vijana na binti wako. Tunakuja kukuabudu maana ni wewe Mungu uliyetuumba. Na yote uliyoifanya kwa ajili yetu hatuna cha kukulipa. Yes, Bwana. Twakwambia upokee sifa na shukrani. Amina, amina, amina. Nyimbo zililetwa, shukrani zililetwa. Yote iliyoletwa kwako ipokee. Na makusudi yako mema uyatimize kwetu. Kwamba iwe mchana wa baraka na amani. Roho wako asimame hapa. Na kufungula kila nafsi na utu ili masikio yetu yafunguliwe kiroho. Tuelewe makuu yako na maneno yako, maana ulisema ni ndani yako neno lako mna uzima wa milele. Kabisa, kabisa. Sante maana kwetu tunakutegea masikio, utukubali na kutusaidia mchana wa leo. Yesu Kristo. Kama kungekuwa mgonjwa anayekaa hapa, Mungu, Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, apokee uponyaji wake. Kwamba rudi amepewa nguvu mpya, maana amekuwa mbele ya Mungu aliye hai. Ndio. Na waliokuwa na shida na matatizo wanaporudia waexperimente msaada wako katika shida zao. Kabisa. Ili wapate muda wa kukutukuza Bwana. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Amina. Tuchingali tunasimama. Tutasoma Ufunuo 6:1. Apocalypse 6:1. Deux. Et puis nous allons nous Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 6. Inaanza katika maneno haya. Nikaona mwana kondoo wakati alipofungua mmoja wa ile mihuri 7. Nikasikia mmoja wa wale nyama wenye uhai wane akisema kama kwa sauti ya ngurumo. Kuja uone. Nikaona. Natazama farasi mweupe na yeye ambaye alimpanda anampindi akapewa taji naye akatoka akishinda tena apate kushinda. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. J'ai regardé, voici parut un cheval blanc, celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fit donner, il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Bénis ta parole, Père. Donnez-nous la capacité de la comprendre, afin qu'elle nous donne la foi de l'enlèvement. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mkae. Nous disons que Dieu vous bénisse. Tunasema Mungu wabariki. Que le Seigneur soit avec vous tous. Na Bwana awe na nyinyi nyote. Et que ce matin soit un matin de bénédiction pour nous tous. Asubuhi hii iwe asubuhi ya baraka kwetu sote. Nous sommes réveillés par grâce. Tumeamka kwa neema. Non pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont partis la nuit. Si kwamba tu wema kuzidia walioondoka usiku. C'est parce que Dieu a un programme pour nous. Ni kwa sababu Mungu ana mpango ajili yetu. Alors nous demandons que le programme que Dieu a pour nous qu'il puisse l'accomplir. Kwa hiyo tunasihi Mungu kwamba mpango wa nao kwetu hautimize. Parce que Dieu ne nous laisse pas vivre sans motif. Maana Mungu atuache tuishi bila shabaha. Si Dieu nous laisse vivre, Mungu akitupa kuishi, il sait pourquoi. Anajua kwa nini. Si Dieu nous donne le temps de l'adorer, Mungu akitupa muda wa kumwabudu, il sait pourquoi. Anajua kwa nini. Si Dieu nous laisse voir chaque matin, ikiwa natu ruhusu tuone asubuhi, il sait pourquoi. Ajua kwa nini. Nous avons besoin de profiter de tout le nécessaire. Kwa hiyo tunayo haja ya kufaidika kwa yote ya lazima. Pour faire sa volonté. Ili tufanye mapenzi yake. De sorte que quand il vient. Kiwango ajapo. Qu'il nous trouve réellement prêt. Atukute kweli na parce tuko tayari. Parce que nous le serons et c'est vrai et c'est sûr. Sababu. Nous serons prêts. Tutakuwa tayari. Et c'est sûr. Na bila shaka. Parce que si nous avons la bonne volonté. Sababu tukiwa na kutaka kwema. Dieu aussi a des bons projets pour nous. Mungu naye anayo mipango mizuri kwetu. Alors ce matin je viens payer la dette. Kwa hiyo asubuhi naja kulipa deni. Que j'ai contracté auprès de vous le dimanche passé. Ambayo niliwapeni
Le dimanche passé, j'ai prêché. J'ai dit ceci. Nikasema hivi. Nous parlons des tonnerres. Tunaongea kuhusu ngurumo. Les sept tonnerres. Zile ngurumo saba. Dans cela, nous avons vu katika hayo tuliona que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Ya kuwa ngurumo ni sauti ya Mungu. Que Jean ambayo Yohane a entendu les sept tonnerres gronder. Aliosikia ngurumo saba zikitoa sauti. Il voulait écrire. Alitaka andika. Mais on lui a dit bali akaambiwa n'écris pas ça. Usiziandike. Mais scelle. Bali ziweke muhuri. Mettez le sceau. Tia muhuri. Mettez le sceau. Eti tia muhuri. Sikia mzuri. Nous sommes dans l'enseignement sur Apocalypse. Tuko katika mafundisho ya Ufunuo. N'écris pas. Eti usiandike. Mais scelle. Bali tia muhuri. C'est que les tonnerres ont dit. Ni yale ngurumo zilisema. Alors on a dit. Sasa ikasemeka. Quand il a mis le sceau. Alipo tia muhuri. On a promis. Kulitoa ahadi. À la voix du septième an. Ya kuwa kwa sauti ya malaika wa saba. Quand nous serons dans l'âge sept. Kwamba. Tutakapokuwa katika kizazi cha saba. Celui qui viendra prêcher l'évangile pour la terre dans l'âge numéro 7. Atakaye leta injili kuhubiri mukizazi cha saba. Celui-là. Yule. Allait avoir la qualité de révéler tous les secrets de Dieu. Angelipewa. Musikie mzuri. Hali uwezo wa kufunua siri zote za Mungu. Et le septième ange. Na. Ule malaika wa saba. De l'église de Laodicée. Wa kanisa la Laodikia. Il allait ange du tout le secret. Sema siri zote. Donc le septième. Kwamba huyu wa saba. Celui dans lequel nous sommes. Hiki ambacho tuko ndani. Parce qu'il n'y a pas huit âges de l'église. Sababu, huit âges. Hakuna kizazi cha mnane cha kanisa. Il n'y a que sept. Vizazi viko saba. Or six sont passés. Sita zimekwisha pita. Nous sommes dans le septième. Tumo katika cha saba. Alors on a dit. Halafu ikasema. Le septième là. Ya kwamba ule wa saba. Il allait dire tous les secrets. Ya kuwa angesema siri zote. Donc les secrets qui étaient cachés dans la Bible. Kwamba siri zilizofichwa katika Biblia. Même l'interprétation de l'Apocalypse. Hata tafsiri yenyewe ya Ufunuo. Devait rester secret pendant six âges de l'église. Baki siri muvizazi sita vya kanisa. Mais au septième. Lakini kwa ya saba. Aucun secret qui se trouverait dans la Bible n'allait être révélé. Hakuna siri iliyo katika Biblia ambayo ingebaki bila kufunuliwa. Bon, les églises sont venues. Makanisa ndio yalikuja. Les prédicateurs sont venus. Wahubiri walikuja. Madame Ellen White des Adventistes a interprété aussi l'Apocalypse de sa façon. Madame Ellen White naye alitafsiri Biblia kwa namna yake. Na Ufunuo. Charles Roussel. Charles Roussel. Celui qui a commencé l'église des témoins de Jéhovah. Alianzisha kanisa la washahidi wa Yehova. Lui aussi. Yeye pia. A interprété l'Apocalypse de sa façon. Ali tafsiri Ufunuo kwa namna yake. Bon. Sasa. Les théologiens protestants. Wana teologia wa protestanti. Ont interprété aussi. Nao walitafsiri. L'Apocalypse de leur façon. Ufunuo kwa namna yao. L'église catholique aussi. Kanisa katoliki nalo. A interprété de sa façon. Nalo lilitafsiri kwa namna yake. Les eschatologues. Les eschatologues et les gens qui cherchent les choses de l'Apocalypse ont interprété de leur façon. Wa eschatologi watu wanaotafuta wanaofanya utafiti kuhusu Biblia wameleta tafsiri yao. Parce que les livres d'Apocalypse contient de grands secrets que si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous expliquer, vous mourrez sans connaître le contenu. Maana kitabu cha Ufunuo kinazo siri nyingi sana ambazo usipopata mtu wa kutafsiria vizuri unaweza ukapotee. Et n'oubliez pas. Na, msisahau. L'Apocalypse, Ufunuo. C'est Jean qui voit. Ni Yohane aliyeona. Les choses qui viendront après. Mambo yatakayokuja baadaye. Jean est mort. Yohane alikufa. Ne connaissant même pas la signification de certaines choses. Na hajui maana ya mambo mbalimbali. Parce que ce sont des choses qui devaient arriver après lui. Sababu ni mambo yangelifika nyuma yake. Dans les livres d'Apocalypse on dit ceci. Katika kitabu cha Ufunuo yasemeka. Les choses qui vont arriver. Mambo yatakayokuja. Et envoie-les. Na uyatume. Car le temps est proche. Maana muda wa karibia. Même Jean est mort. Hata Yohane alikufa. Et a vu des choses se dérouler devant lui. Akiwa aliona mais ne connaissant pas la signification. Naye hakujua maana yake. Alors c'était réservé pour s'accomplir sans que certaines personnes ne sachent que ça s'accomplit. Bila mtu yeyote kujua kwamba yanatimia. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un
Sasa ilibidi kuwa mtu qui allait avoir la grâce ambaye angepewa neema de comprendre ce que cela signifiait. Ya kuelewa maana yake. Alors vous avez droit halafu mnayo haki de choisir qui vous voulez. Ya kuchagua yule mnayo. Moi je ne vous force pas. Mimi si wakazi. Si vous allez prendre l'interprétation des adventistes, allez-y. Ikiwa mta avec madame White. Chukua tafsiri ya adventiste na madame White wao. Si vous allez penser que Charles Roussel, de Témoin de Jéhovah, a bien expliqué l'Apocalypse, prenez. Ikiwa mtachagua Charles Roussel ya washahidi ama ya washahidi wa Yehova. Haya. C'est celui-là le septième messager pour le septième âge pour vous. Ni yule malaika wa saba kwa kizazi cha saba kwenu. Mbe. Même savoir seulement. Hata kujua yeye. Qu'il y a cet âge. Ya kuwa kunazo nyakati. Vous l'avez appris où? Mulijua wapi? Savoir seulement qu'il y a cet âge. Kufahamu tu ya kwamba kunazo nyakati saba za. Savoir seulement que l'âge numéro 1 commence là, finit là. Numéro 2 là jusqu'à. Vous l'avez appris de qui? Kujua kwanza kizazi cha kwanza kinaanza tangu muda fulani hadi muda fulani. Mulijifunza kwa nani? Connaître aussi. Kujua pia. Qui était le messager pour Éphèse? Nani aliyekuwa mjumbe kwa Efeso? Qui était le messager pour Smyrne? Nani aliyekuwa mjumbe kwa Smyrna? Vous l'avez appris aussi chez qui? Mumejifunza wapi? Vous devez avoir là où vous avez appris. Munapaswa kuwa na kwenye mulijifunza hiyo. Sinon vous mourrez sans connaître l'Apocalypse. Bila kujua ufunuo. Alors c'est comme ça? Ni hivyo que kwamba, moi je crois mimi que parmi les grands prédicateurs que le monde a connu, ya kuwa miongoni mwa wahubiri wakubwa dunia ilijua, le frère Branham, ndugu William a Branham, reçu la grâce. Alipewa neema. Et il a été témoigné par les théologiens américains. Na, les théologiens américains. Ilishuhudiwa na wanateolojia wakubwa wa Amerika. Que c'est un des généraux de notre siècle. Ya kuwa Branham ni mojawapo wa majemedari wakubwa wa karne yetu. Que son enseignement ya kuwa mafundisho yake cadré avec la Bible yanapatana na Biblia. Dieu lui a donné aussi la grâce. Na ya kuwa Mungu alimupa neema pia. Non pas seulement de prêcher. Si ya kuhubiri tu. Mais Dieu l'a utilisé pour des miracles que n'importe qui n'aurait pas fait. Bali Mungu alimtumikisha kufanya miujiza ambayo haikupewa yeyote yule. Alors c'est comme ça. Ni hivyo. Et c'est que j'ai entendu gronder. Yale Yohana alisikia yakigruma. Jusqu'à 7. Mpaka saba. Il allait écrire ce qu'il a entendu. Angeweza andika yale aliyosikia. On lui dit non. Akakatazwa. N'écris pas. Usiandike. Mets le sceau. Weka muhuri. C'est réservé. Imewekewa. Pour. Kwa. L'âge numéro 7. Kizazi cha saba. Le septième est là. Ule wa saba. Le prédicateur là du septième âge. Ule muhubiri wa kizazi cha saba. C'est celui-là qui allait dire tout. Ni yule angeeleza yote. Et c'est comme ça que la Bible, et surtout l'Apocalypse, na ni hivyo Biblia zaidi sana ufunuo, est restée avec beaucoup de choses inconnues. Imebaki na mambo mengi yasiyojulikana. Mais nous avons appris une chose le dimanche. Lakini Jumapili tulijifunza jambo moja. C'est que les tonnerres ont dit. Yale ngurumo zilizosema. C'est la signification de sept sceaux. Maana yake ni mihuri. Vous voyez là maintenant la dette que je viens payer. Munaona sasa deni nakuja kulipa. Le dimanche, Jumapili, on a expliqué le tonnerre. Tulifasiria ngurumo. Mais nous avons tiré la conclusion. Bali tukafanya jumla. Les sept tonnerres. Kwamba ngurumo saba. Sont révélés dans les sept sceaux. Zilifunuliwa katika mihuri saba. So, quand vous connaissez ce que les sept sceaux ont dit. Ukijua yale mihuri saba ilisema. Automatiquement vous connaissez ce que les sept tonnerres ont dit. Papo hapo umejua yale yalisemwa na ngurumo. Quand quelqu'un vous dit. Mtu akwambia hapo. Est-ce que ce que les sept tonnerres ont dit sont connus? Je, yale ngurumo zilisema yanajulikana? Dit oui. Unajibu ndio. Ça dit quoi? Yanasema nini? Vous dites ça dit ce que les sceaux ont dit. Unajibu inasema yale mihuri ilisema. Quand on a brisé chaque sceau. Wakati kila muhuri ulivunjwa. On a brisé un sceau. Wakavunja muhuri wa kwanza. Quelque chose est sorti. Kuna kitu kilitoka. On a brisé un deuxième sceau. Ya pili lipovunjwa. Et notre symbole est sorti. Alama ingine ilitoka. L'interprétation de ce que chaque sceau signifiait, c'était ça ce que Jean a vu qu'il voulait écrire, mais on lui a dit n'écris pas. Tafsiri ya yenye kila muhuri ilileta ni ile Yohane alitafuta andika akakatazwa. Sikia. Yenye ngurumo zilisemaka. Ndio ndio. Baki kuhubiri mihuri saba, manake bamekwambia yenye zile ngurumo zilitafuta kasema. Amen. Manake kanisa likifundishiwa juu ya mihuri saba, limeelewa vyenye zile ngurumo saba zilisemaka.
Sawa. Ukisema kama ngurumo saba hazikufunguliwa na usihubiri yake tena mihuri saba. Okay. Sawa. Quand vous dites que les tonnerres sont révélés. Usemapo ya kuwa ngurumo zilifunuliwa. Dans les sept sceaux. Katika mihuri saba. Alors prêchez les sept sceaux. Alafu hubiri mihuri saba. Que l'église comprenne les sceaux c'est quoi? Ili kanisa lielewe mihuri ni nini? Et par conséquent, l'église saura ce que les tonnerres ont dit parce que les tonnerres ont dit ce qui se trouve dans les sept sceaux. Kwa hiyo kanisa litajua yenye mihuri ilisema sababu mihuri ilisema yenye ngurumo ilitoa. C'est pourquoi nous avons lu dans les livres de cet âge de l'église. Ndio maana tulisoma Jumapili katika kitabu cha nyakati saba za kanisa. Dans ce livre ici. Katika kitabu hiki. Que les gens avaient dit que ce n'est pas le livre de Branham, je vous ai dit que lui-même a rédigé ça et le livre est sorti de son vivant. Ambacho watu wamoja walisema kuwa haiko kitabu cha Branham. Na Branham anasema kwamba ni kitabu chake mwenyewe aliandika alipokuwa hai. C'est dans celui-ci qu'on explique les sept âges de l'église avec des commentaires et des explications. Ni katika kitabu hiki kunaletwa maelezo ya kila kanisa ya kutosha. Alors, halafu, là on avait vu. Hapo tuliona kwamba qu'il y avait une promesse. Ya kuwa kulikuwa ahadi. Que kwamba à la page 319. Kwenye ukurasa 319. On nous avait dit ceci. Ambapo kulisema hivi. Or, japo hiyo, ce messager de Malachi 4. Huyu mjumbe wa Malaki 4. Et d'Apocalypse 10. Na wa Ufunuo 10. Va faire deux choses. Itafanya mambo mawili. Premièrement. Ya kwanza. Selon Malachi 4. Sawasawa na Malaki 4. Il ramènera le cœur des enfants au père. Atarudisha roho za watoto kwa baba zao. Cet âge ici. Hiki kizazi. Son prédicateur. Mhubiri wake. Son messager. Mjumbe wake. Il va faire des choses. Atafanya kazi mbili. La première chose. Jambo la kwanza. C'est de ramener le cœur des enfants au père. Ni kurudisha roho za watoto kwa baba zao. Qui sont nos pères de la foi? Sasa wa baba zetu wa imani ni wanani? Ce sont les apôtres. Ni wa mitume. Donc bakikwambia kama kanisa linapaswa fanana la ba mitume. Ni kazi ya huyu ujumbe kuturudisha kutufananisha sawa kanisa la ba mitume. Ndio, donc ndio. Le role de ce message ici. Kazi ya huu ujumbe. C'est de produire une église qui ressemble aux apôtres. Ni kuzaa kanisa kujenga kutayarisha kanisa linalofanana na lile la mitume. Vous avez une église qui se fonde sur le fondement des apôtres. Kulikuwa kanisa ambalo lilijengwa kwa msingi ya wa mitume. Baptême au nom de Jésus-Christ. Ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Pas de ministère de femme. Hakuna huduma za wanawake. Une église dans laquelle il y a les dons. Kanisa ambamo ndani yake muna karama. Qui sont surveillés par les dons de la sagesse. Ambazo zinachunguzwa na karama ya hekima. Vérifiez aussi selon la Bible. Nayo ichunguze sawasawa na Biblia. Une église qui a des guérisons et des miracles. Kanisa ambalo lina miujiza na uponyaji ya kiungu. Une église qui se sanctifie. Amen, amen. Kanisa linalo lijitakasa. Une église qui cherche la présence de Dieu. Kanisa linalo tafutisha uso wa Mungu. Une église là où on a la repentance. Kanisa ambamo ndani yake kuna kutubu zambi. Une église sans ministère de femmes. Kanisa ambalo halina huduma ya wanawake. Une église dans laquelle quand vous entrez. Kanisa ambamo ndani yake unapoingia. Vous trouvez que réellement les gens ont besoin du ciel, pas de matériel comme les gens sont en train de chercher la richesse aujourd'hui. Unakuta watu kweli wana haja ya mbingu, sio kutafuta vitu vya dunia kama vile mnaona leo. Une église dans laquelle les ministres eux-mêmes font tout pour vivre ce qu'ils prêchent. Kanisa ambamo ndani yake wahuduma wanahudumia wana haja ya kuishi yale wanayohubiri. La sainte cène avec des pains sans levain. Meza ya Bwana ya mkate pasipo chachu. L'habillement des femmes et des hommes comme était dans l'église des apôtres. Kuvaa ya wanaume na ya wanawake inakuwa kama vile ilikuwa katika kanisa la mitume. Tout ça. Hayo yote. C'est ça, ramener le cœur des enfants au père. Hayo ndio kurudisha roho ya watoto kwa baba zao. Je vous pose la question. Sasa niwaulize. En dehors de ce message que nous croyons. Inje ya ujumbe huu tunaoamini. Où est-ce que vous allez trouver l'église qui fait tout pour ramener aux gens sur la position des apôtres? Utapata kanisa la kanisa wapi linalojitahidi kufanya yote ifanane na ile ya wa mitume? Vous la trouverez pas. Hautalipata. Et quand vous la trouvez là dehors. Na ukilipata kule nje. Les membres de dénomination. Lina shiriki mazehebu. Et quand vous la trouvez là dehors. Ukilikuta kule nje. Elle est dans une hiérarchie là où il y a des gens qui viennent leur donner des ordres. Lina kuwa katika
Almashauri ya watu wanaokuja kuwapa maagizo. Vous trouvez utakuta qu'il n'y a pas l'autonomie de l'église locale. Hakuna. Vous devez vous rassurer que vous avez trouvé aussi l'original qui a amené l'original. Hakikisha kwamba umepata kile cha halisi kinachopaswa leta pia. La photocopie n'a jamais été semblable à l'original. Picha haijafananaka kitu chenyewe. Vous pouvez essayer de copier. Waweza jaribu kuiga. Mais quelque part ça va échouer. Lakini unakwenda inashindikana. Vous pouvez créer une église comme celle des apôtres. Waweza unda kanisa sawa lile la mitume. Mais si l'esprit du septième âge n'est pas là. Lakini roho ya kizazi cha saba isipokuwa ndani yako. Vous serez bloqué. Utakwama. Roho. Alafu tunaambiwa le septième messager. Ujumbe wa saba. C'est de ramener le cœur des enfants au père. Nikurudisha roho za watoto kwa baba zao. Ça c'est un. Hiyo ilikuwa ni moja. Pose la question. Sasa niulize. Est-ce que frère Branham a réussi ça? Yes. Moi, je sais que c'est oui. Mais tous ceux qui se sont efforcés là dehors de le faire. Il y a quand même quelques difficultés qu'ils rencontrent. Alors, ici, on nous dit, on a dit maintenant, le messager de Malachi 4, mujumbe wa Malachi 4 et d'Apocalypse 16, na wa Ufunuo 17, va faire des choses. Atafanya mambo mawili. Premièrement, ya kwanza, selon Malachi 4, sawa sawa na Malachi 4, il ramènera le cœur des enfants au père. Atarudisha roho za watoto kwa baba zao. Et c'est ça même l'objectif du message que nous croyons. Hiyo ndio shabaha ya ujumbe tunaoamini. Kwa mnayo yenye tu kwamo ni biaye basi. Ndio ndio. Sasa mpata tu kanisa ya kuikala mmo mnakuwa ba mama mnakuwa ba fia bana. Na kitu tunawinda tufikie. Amen. Ni kile kufanana na mitume. Okay? Sawa. Deuxièmement, ya pili, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Atafunua siri ya zile ngurumo saba za Ufunuo 10. Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ambazo ni ufunuo zinazokuwa katika mihuri saba. Deuxièmement, et ya pili, il révélera atafunua les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Siri za zile ngurumo saba za Ufunuo 10. Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ambazo ni funuo zinazokuwa katika mihuri saba. Donc vous comprenez que unaelewa kwamba le grand but du message que nous croyons. Shabaha kubwa ya ujumbe tunaoamini. Il est à deux niveaux. Iko ku kiwango. Le premier niveau, c'est de ramener nos cœurs à la foi des apôtres, ni kufikisha mioyo yetu kwa imani ya mitume, mais aussi de connaître les mystères qui ont été cachés pendant les âges. Lakini pia ni kujua siri zilizofichwa katika vizazi. Donc, maana yake, vous pouvez dire, waweza sema, moi je vais prendre la position de l'église comme les apôtres. Nita kamata msimamo wa kanisa kama la wa mitume. Mais lakini si vous ne prenez pas la deuxième option aussi. Usipo toi hiyo hali ya pili, celle de révéler le mystère. Ile ya kufunua siri, vous serez une église. Utakuwa kanisa qui veut ressembler aux apôtres. Ninalotaka fanana wa mitume. On va commencer à vous poser des questions sur les mystères qui sont dans l'Apocalypse. Utakapoulizwa kuhusu siri zinazokuwa katika Ufunuo. Tellement que vous n'avez pas suivi les messagers. Sababu haukumfuata mjumbe. Vous serez bloqué. Utakwama. On va vous poser la question. Utaulizwa. Que signifie le cavalier si le cheval noir? Panda farashi. Alafanda farasi nyeusi maana yake nini? Vous allez tâtonner. On vous pose la question. On a orizwa. Cette explication d'un silence d'à peu près 30 minutes. Ma fasilio la ile kimya ya nusu saa. Quand il a brisé le septième sceau, alipovunja muhuri wa saba. Il y a un silence d'à peu près 30 minutes. Kulikuwa kimya ya karibu nusu saa. Qu'est-ce que cela signifie? Ina maana gani? Vous allez dire je ne sais pas. Utajibu sijui. Vous avez une église comme les apôtres. Una kanisa la kufanana na. Mais la révélation des mystères zéro. Lakini utafunua wa siri. Haujua lolote. On vous posera la question.
question. Utaulizwa tena. Cette femme est là ivre de sang. Yule mwanamke aliyelewa damu. C'est quoi cette femme là? Yule mwanamke ni nani? Elle a bu quel sang? Ni damu gani aliyokunywa? Et cette bête sur laquelle elle s'assoit, c'est quoi? Na yule mnyama anayemuikalia ni nini? Vous êtes bloqué. Unakwama. Ni bon. Wanakwambia sasa. Dites-moi. Niambie. Jean a vu un homme. Yohana aliona mtu. Il avait un cheval noir. Alikuwa na farasi nyeusi. Et lui il avait une balance dans la main. Na alikuwa munzani na munzani mkononi mwake. Qu'est-ce que la balance signifie? Munzani wamaanisha nini? Vous dites non, je ne connais pas. Unajibu mimi sijui. Bon, vous posez une autre question. Unaulizwa tena. Ben, mais on parle de la bête qui sort de la terre et il y a une autre bête qui sort du qui sort de la mer. Sasa unaulizwa. Kunaonekana mnyama anayetoka baharini na anatoka tena nchini. Le tete c'est quoi? Sasa wale wanyama wawili ni nini? Kale. Unakwama. Parce que sababu vous ne vous êtes pas basé sur le mystère du septième messager. Hautusimamie pia zile siri za mjumbe wa saba. Alléluia. Amina. Voilà la différence entre c'est que nous nous croyons et c'est que les autres croient. Na, nous avons des ailes. Amen. Nous avons une aile de la révélation de l'Écriture. Et nous avons une aile de la ressemblance aux apôtres. Et partout là où vous arriverez maintenant à ceux qui croient comme nous, nous croyons de la même façon. Parce que nous puisons sur le même robinet. Vous allez quitter Goma. Vous allez en France. Vous prêchez le français. Ils vous entendront parce que c'est ce qu'ils croient. Vous allez quitter ici. Vous allez en Tanzanie. Vous prêcherez ce message. Ils le croiront parce qu'ils ont puisé dans le même messager. Ujumbe watakuelewa sababu waliamini ule ule mjumbe tunayemwamini. C'est ce que je disais à un ministre. Ni ile nilikuwa naambia kama que vous avez une église sœur. Unaposema kwamba kuna kanisa dada. C'est l'église qui croit comme vous. Ni kanisa linaloamini sawa sawa. Mais si vous allez prêcher des choses que vous tirez de votre tête. Lakini sasa ukifundisha mambo unatosha mwakili yako. Vous n'avez aucune référence. Hauna kwenye unayatosha. Quand vous allez voyager. Utakaposafiri. Vous allez trouver un autre qui a ces choses dans la tête. Utakutana mwingine mwenye ana mambo kichwani mwake. Alors vous posez la question. Naye atakuuliza. Ça c'est la théologie catholique, protestante, adventiste, vous dites c'est ce que j'ai tiré de ma tête. Je, hii ni théologie wa katoliki, wa protestante, wa chacun maintenant va commencer à prêcher ce qu'il pense. Alors, qui là, nous attendons à obéir à la loi. Parce qu'il n'a aucun messager. Sababu hawana mjumbe yeyote. Est-ce que vous comprenez la différence? Sasa tumeelewa tofauti. Alors on a dit ceci. Sasa ikasemeka. Je continue à prêcher, ne vous en faites pas. On a dit ceci. Ikasemeka hivi. Il y a eu les sept tonnerres qui ont grondé. Kulikuwa ngurumo saba zilizo. Et quand les tonnerres ont grondé, Jean voulait écrire, et on a promis qu'on allait les révéler dans notre âge. Alors la première question c'est de savoir, qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Ngurumo zilisemaka nini? La réponse c'est celle-ci. Jibu ndilo hili. Ils ont dit ce qu'on a prêché sur les sept sceaux. Ngurumo zilisema yale ilihubiriwa katika mihuri. Alors vous posez la deuxième question. Alafu utaulizwa ulizo la pili. Et les sceaux c'est quoi? Sasa na mihuri ni nini? Amen. Mais si on ne vous a jamais prêché ça, sasa ikiwa hamuja hubiriwa mihuri, vous serez maintenant bloqué. Mutakwama. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'en a subi à l'heure. Je vais parler maintenant de cette eau. Nita, ongelea mihuri saba. Que vous sachiez ce matin, lili asubuhi ya leo mjue. Le premier sceau c'est quoi? Muhuri wa kwanza ni nini? Le deuxième sceau c'est quoi? Wa pili ni nini? Le troisième sceau c'est quoi? Muhuri wa tatu ni nini? Comme ça, lili. Vous serez capable maintenant de donner aussi quand on vous pose la question. Le sceau c'est quoi? Vous dites c'est ça, 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 ça. Uwe na uwezo wa kujibia kila atakayekuuliza kuhusu mihuri. Alors je vais écrire au tableau. Alafu nitaandika ubaoni. Je vais écrire 1 2 3 4 5 6. Nitaandika 1 2 3 4 5 6 7. 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7.
Est-ce qu'on est ensemble? Tiens, on est ensemble. Ne vous trompez pas. Nous allons continuer avec les moyens que nous avons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prêche, ce n'est pas le matériel. Amen. Et là où il n'y a pas de matériel, ce n'est pas à dire qu'il ne prêche pas. Ok? La parole est là, nous allons la prêcher. Fournissez seulement vos efforts pour capter nos simples voix. Et là, je vais vous dire, le septième soir était prêché la semaine passée. Donc aujourd'hui, je vais prêcher seulement 6. Parce que le dimanche, j'ai parlé du septième soir. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, je coupe d'abord. Le septième soir d'abord. Je ne coupe pas comme tel. Mais je vais vous dire. Dans le septième soir, on nous a dit qu'il y a trois choses dedans. Le premier, c'était quoi? C'était le troisième pull. Troisième pull. C'est-à-dire l'attraction du troisième niveau. Je l'ai prêché que c'est cette force-là que Dieu utilise dans les ministres, dans l'église, pour créer des choses par la parole, faire des grandes choses en prononçant seulement une capacité que Dieu donne aux élus de ce siècle pour prononcer watamke, la chose se réalise. Na kitu kinatimia. Je l'ai prêché le dimanche passé. Niliubiri Jumapili iliyopita. Alors, nous avons dit que dans le septième soir, et on a dit que la troisième chose, c'est ce qui concerne le temps de la fin. La date, tarehe, les jours, siku, et l'heure de sa venue, na saa ya ujio wake, que Dieu a gardé secret, ambavyo Mungu alilinda siri, que personne ne saura. Na yakuwa hakuna atakayejua, mais que nous allons savoir lorsque nous sommes en train de monter. Yakuwa tutaijuaka wakati tuko na panda. Mais on va savoir que dans le septième soir il y a trois choses, c'est déjà la révélation du septième soir. Kujua tu ya kwamba katika muhuri wa saba una mambo matatu ni kufunuliwa ya ile muhuri saba. Donc connaître que dans le septième soir, kujua kwamba katika muhuri wa saba, il y a trois choses. Kuna mambo tatu. C'est la révélation du septième sceau. Ya muhuri wa saba. Je l'ai expliqué suffisamment le dimanche passé. Nilifasilia ya kutosha Jumapili iliyopita. Et bien maintenant, sasa, nous allons vous dire, tutawaambia, que nous passons maintenant à la révélation des six sceaux. Tunataka endea sasa ufunuo wa mihuri sita. Les six sceaux, ila mihuri sita. C'est-à-dire quoi? Maana yake ni les six plus un, ça fait sept. Sita kuongeza pamoja inakuwa saba. Qu'est-ce que ça signifie? Zilimaanisha nini? Voilà. Ni hiyo. Prenez vos Bibles. Kwa hiyo shikeni Biblia yenu. On y va lentement. Twende pole pole. On y va lentement. Twende pole pole. Ça? C'est à titre d'illustration. Ni kama vile kuonyesha. Et j'y reviendrai encore quand les conditions seront bonnes. Ya kwamba nitayarudiliaka hali takapokuwa nzuri. Mais aujourd'hui c'est la relation entre les sept sceaux et les sept tonnerres. Leo ni uhusiano kati ya ngurumo saba na mihuri saba. Alors prenez vos Bibles. Kwa hiyo shikeni Biblia zenu. Prenez vos Bibles. Shikeni Biblia zenu. Très bien. Apocalypse 6. Ufunuo sura 6. Apocalypse 6. Ufunuo sura sita. On y va, on y va, on y va. Twende, twende. Ok. Très bien. J'ai regardé Nikaona Kalanyo l'un des sept sceaux, j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre. Écoutez,
Viens. Kuja. L'agneau. Mwana kondo. Ouvre un seau. Anavunja muhuri. Un être vivant. Mwenye uhai. Lui dit, viens. Anamwambia, kuja. Qu'est-ce qu'il va voir? Ataona nini? On va au deuxième verset. Twende kwa mstari wa pili. J'ai regardé. Nikaona. Et voici Paris, un cheval blanc. Tazama farasi mweupe. Celui qui l'est monté. Naye ambaye alimpanda. Avait un arc. Alikuwa na mpindi. Une couronne qui lui fit donner. Akapewa taji. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Naye akatoka akishinda tena apate kushinda. Prête. So, regardez ici mes amis. Mwangalie hapa wapendwa. Un. Moja. C'est un symbole. Ni. Mufano. Pas d'explication. Hakuna fasilio. Il y a un cheval. Kuna farasi. Il y a un homme. Na mutu. Il est sur un cheval. Akiwa juu ya farasi. Il a un arc. Ana upinde. Et il va partir en train de vaincre. Ataenda kishinda na zaidi ya kushinda. Ouais. Mwisho pa. Fini le premier saut. Muri wa kwanza unaishia pa. Donnez-moi l'explication. Nipeni mafasili. Fini. Inaishia pa. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Ce que les tonnerres ont dit. Yenye muruma zilisema. C'est ce que les sons ont dit. Yenye mihuri zilisema. Quand on ouvre les sons. Wanapo vunja muhuri. Ça devient aussi un secret. Nayo inakuwa siri tena. Il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un qui va nous dire cet homme c'est qui. Yabidi kuwa kutuambia ule mtu ni nani. Ce cheval blanc c'est quoi. Ile farasi ni nini. L'arc c'est quoi. Upinde ni nini. Vaincre c'est quoi. Kushinda manake nini. Ça s'est passé où. Ilipitika wapi. Ça s'est passé quand. Na ikapitika wakati gani. Vous mourrez avec la Bible et à mes sens savoir la signification si vous n'avez pas quelqu'un qui vous l'a dit. Bon, ouvrons le deuxième saut. Je ne l'explique pas jusqu'à ce que j'ai terminé tous les sauts. Amen. Le frère me dit qu'on ne s'inquiète pas que la voix est en train d'atteindre au moins la plupart des gens. Okay. Donc il dit, ne vous inquiétez pas, les gens vous captent. Ça, ça, ça. Bon, ceux qui ne nous captent pas, efforcez-vous de nous capter. Vous nous sommes venus adorer. Le diable combat. Jésus combat aussi. Alors, nous ouvrons le deuxième saut. Ce qui me dérange, après avoir montré le premier saut, on n'explique pas, on amène le deuxième directement. Il faut que vous puissiez tatouer à Kanjoni. Si vous comme vous n'avez pas l'éloi, si vous comprenez la valeur de ce qu'ils ont. On amène les deuxièmes sons sans Jean lui-même. Ne nous dit pas c'est quoi. Jean lui-même, il a vu ça défiler. Au lieu d'attendre la deuxième explication, il voit le deuxième saut. Brou, 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 jusqu'au 7. Il écrit, il s'en va. Et la Bible est restée entre les mains pendant 2000 ans. Et quand on pose la question au prédicateur, nous disent, je ne sais pas. Et quand quelqu'un tente d'expliquer, vous lui dites, montrez-moi la source, là où vous avez lu ça, il dit, bon, c'est ce que je pense. Or, scientifiquement, vous devez dire si ce que vous dites, vous les avez tirés où. Tu peux me donner le courage d'expliquer les gens ici à Goma ce que tu penses, mais quand tu iras en Amérique, tu vas dire ça aux Américains. Je vais vous faciliter. Nafika France banakupa mimbari.
unavileta bafransema na kuambia tia ture sa mesion. Oh, c'est ce que je pense. Tu l'as pensé comment? Unapashwa kuwa na kwenye ulibitosha. Amina. Na kama Mungu alivikupatia, tunapashwa yua kama ni Mungu alivikupatia. Alivikupatia juu ya dunia nzima, wala ni kakundi kako. Amen, amen, amen. C'est pourquoi nous passons au deuxième saut. Mes amis, sans explication. Et maintenant, si nous n'avons pas celui qui va nous expliquer, nous allons dire à l'église, rentrez. Nous ne savons pas si c'est quoi. Alors chacun va rentrer, il cherche les pentecôtistes, l'autre va chez les protestants, l'autre va chez les adventistes, l'autre va chez les témoins de Jéhovah. Et l'église sera remplie de plusieurs explications parce qu'ils n'ont aucune source de référence. Sasa kila moja atatoka hapa na kwenda tafuta wa kumfasilia. Mmoja ataenda kwa Adventisti, mwingine kwa wa Pentecoste, mwingine sijui. Halafu kanisa litajaa watu wenye kuwa na kuelewa tofauti na haijulikane chemchemu ya vyenye walifasilia litoka wapi. Sababu habana msingi ya kwenye balichotea. Alors deuxième saut. Kwa hiyo twende kwa mhuri wa pili. Quand il ouvrit le second saut. Alipo fungua mhuri wa pili. J'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. La situation change. Et sortit un cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Fini. Il y a un homme, il a un cheval. Alors que le premier avait l'arc, lui il a l'épée. Au lieu de vaincre, pour lui, les gens vont commencer à se tuer. Pointre. Fini le deuxième saut. Ça va nous aider. Amen. Troisième saut. Pourquoi je suis en train de lire et vous les laisser au tableau? C'est pour que vous sachiez si ça se trouve où. Avant de connaître l'explication, maintenant qui vous sera donnée par un messager? Donc, refuser de lire les brochures, c'est rester dans l'ignorance. Parce que maintenant vous allez garder ça. Sans explication. Refuser de lire la brochure. C'est aller lire les livres des autres églises. Et quand vous les lisez, vous devez vous poser la question, est-ce que celui-là que je lis, il a reçu quel mandat?
Kazi gani? Est-ce que d'ailleurs celui-ci, son livre, son église aussi, est-ce qu'elle se fonde sur les apôtres? Kwanza, mwenye hiki kitabu mafundisho yake yanasimamia msingi wa mitume. Ok? Amina. Troisième so. Huri wa tatu sasa. Holy. Quand, ça c'est le verset combien? 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici Paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de bleu pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais voilà. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ce que les tonnerres ont dit, ce que les sons ont dit. Mais quand les sons disent aussi, on ne comprend rien. Il y a la révélation. Wakati sasa mihuri inavunjwa nayo haifasiri. Il faut le septième âge. Inabidi kizazi cha saba kiwe. Et son septième message. Na mjumbe wake wa saba. Pour connaître la signification. Ili tuelewe maana yake. Amen. Samari va dire les gens qui rejettent le message sont en danger. Qui faut? Les gens qui rejettent le message. Watu wanao tupia mjumbe sont en danger. Wako hatarini. Ils seront bloqués quelque part. Les prédicateurs seront bloqués quelque part. Et n'oubliez pas, les tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. C'est en comprenant ces choses que notre foi va grandir pour nous préparer à l'enlèvement. Amen, amen, amen. Troisième saut. On y va. Twende. Alright. Sawa. Il y a un homme. Kuna mutu. Son cheval n'est plus blanc. Farasi yake haingaliki nyeupe. Il n'est plus rouge. Haiko na mwekundu. Ça devient un cheval noir. Inakuwa farasi nyeusi. C'est compris? Inaeleweka. Est-ce que vous m'asikia? Amen. Avant qu'on explique même. Mbele hata tufasiri. Vous devez comprendre. Unapaswa elewa. Et si vous êtes ancien, il y a un nouveau converti qui apprend ça pour la première fois. Donnez-nous le temps aussi de comprendre. Parce que vous ne savez pas que ce nouveau converti ici, peut-être un jeune garçon, mais demain il sera pasteur ici, il sera prédicateur, il sera évangéliste. C'est ce qu'il y prêchera aussi. C'est nouveau converti là que vous voyez là-bas. C'est celui-là qui va continuer avec cet évangile. Donnez-nous le temps de capter ça. Cheval noir. Pendant que dans les premiers sons il y avait l'arc. Wakati mumuri wa kwanza kulikuwa upinde. Deuxième saut, il y a l'épée. Muhuri wa pili kulikuwa upanga. Le troisième, lui, il a la balance. Muhuri wa tatu ayo inaleta munzani. Kilo. Kilo. Ile ya kupimia kwa maharagi wala mishumba wala birai. Sukari kadhalika. C'est ce que lui a. Ndio yenyewe iko nayo. Lui, yeye on commence à annoncer le prix. Inaanza tangaziwa kuhusu bei. Il y a un dossier de prix. Una habari ya bei. Il vient sur la terre avec la proclamation des prix des choses. Yeye amekuja kudunia na habari ya kutangaziwa bei ya vitu. Ce n'est plus vaincre.
Ce n'est plus s'entretuer. C'est la proclamation des prix. Ni habari za bei za vitu. Bei. Bei. Quand dans les églises on commence wakati makanisa inaanza à proclamer les prix des choses. Kutangaziwa bei ya vitu. Vendre dans l'église. Kufanya biashara kanisani. On proclame les prix, mais ils n'attendent mais on lui donne une remarque. Lakini anapewa tahadhari. Keba, keba, faites attention, faites attention. Kwamba, angalisho, angalisho. Le vin, vino, et l'huile, na mafuta, ne touche pas. Usiguse. Donc le vin, kwamba, vino, plus l'huile. Mafuta, ne touche pas. Aussi gousse. Est-ce que vous croyez que c'est le vin, c'est le vin? On a dans les vins. C'est lui. Maintenant nous avons la question. Sasa, uliso ndilo. Cet homme c'est qui? Uyu mtu ni nani? Sa balance c'est quoi? Kilo yake ni gani? Son cheval noir veut dire quoi? Balance yake nyeusi na maanisha. L'affaire de prix c'est quoi? Habari za bei ni nini? Lui il représente quoi? Mafuta na maanisha nini? Et le vin représente quoi? Vino nayo ina maanisha nini? Parce que c'est là. C'est une chose qui concerne l'église. Sababu ni jambo linalohusika na kanisa. Parce qu'on a dit. Sababu ilisemeka. C'est que tu vas voir. Yale utakayoona. Envoie-le aux églises. Uyatume kwa makanisa. Envoie-le aux églises. Uyatume kwa makanisa. Les églises doivent savoir ça. Kwamba makanisa yanapaswa jua haya. Ce qui était mauvais. Yaliyokuwa mabaya. Qui ne le fasse pas. Yasiyafanye. Ce qui était bon. Yaliyokuwa mema. Qui le fasse. Wayafanye. Comment vous le saurez si quelqu'un ne vous l'a pas prêché? Sasa, mutayajuaje kama hakuna mtu wa kuwa. Mundisha na. Sikuwa menaye mprofete. Yabidi kuwe nabi. Kino kudise kuwa. Amaya tawafasiria ni nini? Finile kuwa zeneso. Muri watatu unaishia kuwa. Jade donne pas l'explication. Yohane hapane mafasirio. Ne l'écris pas. Eti, usiandike. Ne l'écris pas. Usiandike. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Haiandikiwa mu Biblia. C'est l'explication n'est pas dans la Bible. Mafasirio hayako katika Biblia. Ne l'écris pas, mais seul. Eti, usiandike bali tia muhuri. Quand on va briser les sceaux, wakati mihuri itavunjwa, on saura les secrets. Fini tazulikanaka. Ce qu'on dit le tonnerre n'est pas écrit. Kwamba, yenye ngurumo zilisemaka haikuandikwa. Même ce qu'on dit le son n'est pas écrit. Na yenye mihuri lisema haikuandikwa. Ça, ce sont les symboles seulement, mais leur signification cachée. Yale tumeona ni mifano, maana yake inafichama. Haikuandikwa. Amen. Ndio. Amen. Quatrième son. Muhuri wa ine. Ok. On y va. Vende. Mouko hapa. Bon. C'est le verset combien? 7. Mouko hapa. Maintenant, ce qui a ça, ça. Je suis maintenant, je sens que vous êtes en ligne. À mon point, je crois, Christo, Kizungu. Ok. Christo, courant. Comme courant haïko, on a quoi, pagane. Ma prédicateur est ma biombo, comme ma biombo hariko, ma nanyamaza. Abana. 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 Non. Quand j'ai eu ce coup, j'ai joué à biombo. Abana. Abana. Na mwenye nazimia hasikie juu ya biombo, maana yake kuna kasoro. Quand il ouvrit le quatrième sceau. Wakati alipo. Fungua muhuri wa ine. J'entendis. Nikasikia. La voix du quatrième être vivant qui disait. Sauti ya mnyama mwenye uhai wa ine ikisema. Viens. Kuja uone. Je regardais, voici parier un cheval d'une couleur pâle. Nikaona natazama farasi ya rangi kama nyeupe. Ya kijivujivu. Celui qui l'a monté, s'est nommé la mort. Jina lake ni mauti. Et le séjour de mort Nahadese. L'accompagnait. Ikamfuata.
Le pouvoir leur fut donné wakapewa mamlaka si le quart de la terre juu ya sehemu moja ya ine ya dunia pour faire périr les hommes ili waue watu par l'épée kwa upanga par la famine kwa njaa par la mortalité kwa kufa et par les bêtes sauvages de la terre na kwa wanyama wakali wa dunia fini mwisho. Un cheval, Farasi, il y a un homme, Kunamutu. Mais cet homme ici, lakini huyu mutu, il n'est pas semblable au premier, au deuxième, au troisième. Afanane na wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ce n'est plus un homme. Hangaliki mutu. Celui qui est si le d'abord, il voit la mort. Alicho anza kuona ni mauti. Qui est sur un cheval? Mauti ambayo iko juu ya farasi. Un cheval pâle. Farasi ya kijivujivu. Derrière le cheval, nyuma ya farasi yenyewe, il y avait le séjour de mort. Kulikuwa hadeze. Kwenye bafu banaenda. Lui là, huyu yeye, il a reçu le pouvoir de tuer les hommes de la terre un quart. Akapewa uwezo wa kuua sehemu moja ya ine ya dunia. Un quart de la terre doit mourir. Sehemu moja ya dunia itakufa. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? Sasa kwa kuua atatumia nini? Il va utiliser la famine. Atatumia njaa. Il va utiliser quoi aussi? Atatumia nini tena? Quoi? Nini? Quoi? Nini wa épée? Upanga? Comme les seconds? Ça va ouyo pili? Il va utiliser les bêtes sauvages? Atatumia wanyama wakali wa porini? Et quoi? Et la mortalité? Na mauaji? Lui là? Yeye? Quatrième son? Mouri wa ini? Ce n'est plus un homme. La mort qui est sur un cheval. La mort part sur un cheval. Derrière la mort. Là où tous les morts vont, c'est derrière nous. Là où il passe. Ainsi, le 4 doit mourir. Si vous êtes 40, 10 doivent mourir. Si vous êtes 400, 100 doit mourir. S'il y a 4000 personnes, 1000 doivent mourir. Et il va utiliser 4 choses. La famine, l'épée, les bêtes sauvages, et il va utiliser aussi la mortalité. Fini. J'en vois. Je ne sais pas ça sera quand. Cette mort c'est quoi? Pourquoi maintenant? On avait un cheval blanc. Rouge, noir, celui-ci devient pâle. Or, n'oubliez pas, pâle veut dire le mélange de ces trois couleurs. Donc, le quatrième mec, le quatrième saut, lui va prendre le blanc. Il additionne le rouge. Il additionne le noir. Alors, le blanc, rouge, noir, vient dans le quatrième. C'est ce qui le rend pâle. Ce n'est pas blanc. Ce n'est pas rouge. Ce n'est pas noir. C'est comme la couleur grise. Fini. Vous lisez, l'église vous dit, pasteur, c'est quoi? Vous dites, je ne connais pas rang blanc. On a pour soma, kanisani mchungaji anakuambia, turudie. On est à combien de sauts?
Quand il ouvrit le cinquième sceau, wakati alipofungua muhuri wa tano, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Nikaona chini ya madhabahu nafsi za watu waliouawa, à cause de la parole de Dieu, kwa ajili ya neno la Mungu, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Na kwa ajili ya ushuhuda ambao walikuwa nao, ili criere, wakalia une voix forte, kwa sauti kubwa, en disant, wakisema, jusqu'à quand, eh Bwana mtakatifu, maître saint et véritable, hata wakati gani hukumu, tardes-tu de juger, wala ukupatia haki damu yetu, et attirer vengeance de notre sang si les habitants de la terre, wao wanaokaa juu ya dunia, une robe, leur fit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Wakapewa kila moja nguo nye upendefu. Et il leur fit wakaambiwa de se tenir à repos. Wastarehe muda kidogo. Quelque temps encore. Hata itakapotimia hesabu ya watumishi wenzao na ndugu zao watakao uawa kama wao, jusqu'à ce que fut accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. C'est le cinquième saut. Hii inakuwa muhuri wa tano. Qu'est-ce qui est dans le cinquième saut? Nini inakuwa katika muhuri wa tano? Il y a les âmes. Kuna nafsi. Les âmes. Nafsi. Ils sont sous l'autel. Ambazo ziko chini ya madhabahu. Ils sont en train de crier. Ziko zinalia. Pour demander vengeance. Zikiomba kulipiziwa kisasi. Mais on refuse de leur faire vengeance. Lakini inakatazwa kuwalipizia kisasi. On leur donne la robe. Wanapewa kanzu. On leur dit d'être en repos. Wanawaambia wapumzike. Parce qu'il y a les autres qui doivent mourir qu'on doit attendre. Sababu kungaliki wengine watakao kufa wanaowangojea. Quand le nombre sera complet, wakati hesabu itakapoenea, Dieu va traiter leur dossier. Alafu Mungu atashughulikia dosa yao. Mais quand les nombres, les morts ne sont pas complets, wakati hesabu yao hayaenea, on leur dit, wanaambiwa, calmez-vous, mutulie, prenez des robes, mvae kanzu, allez là-bas, mutulie, attendez un peu, mungojee kidogo. Amen. Dizo que ça va comme on a tout batalia basi tunavanda basi tunaenda ngojea. Ndio ndio. Alors, qui sont ces gens? Zaza, wale ni wakina nani? Qui les a tués? Nani aliyewaua? Qui les a tués? Nani aliyewaua? Pourquoi ils doivent crier? Na kwa nini walalamike? Pourquoi on refuse de leur tirer vengeance? Kwa nini wanakatalia wa kulipiziwa kisasi? On leur donne des robes. Wa napewa kanzu. Mais pourquoi on leur dit? Kwa nini wanaambiwa? Il y a d'autres qui doivent mourir. Kumbe wengine wanapaswa kuwawa. Qui sont ces gens qui doivent encore mourir? Wale ambao wanapaswa kufa ni wakina nani? Ok? Sawa. Et pourquoi? Na kwa nini? On leur dit, wanaambiwa, attendez. Ngojeni. Jusqu'à ce que le nombre doit être combien? Sasa, hesabu inapaswa kuwa ngapi? Fini le quatrième, fini le cinquième. Muri watano unaishia pale. Et vous dites à l'église, fermons nos bibles, rentrons. Alors vous unaambia kanisa tufunge biblia, turudi. Et si vous osez prêcher, na ukijaribu kuhubiri, celui qui n'a pas lu là où vous avez lu, il viendra prêcher l'autre chose différemment de vous. Mwenye atasoma pale kwenye ulisoma, atakiaka tafsiri tofauti na wewe. Et notre prédicateur viendra, amènera sa prédication. Mhubiri mwingine atakiaka analeta mahubiri yake. Si vous n'avez pas lu le même livre, kama mkusoma kitabu kimoja, le même messager, mjumbe mmoja, aina même chef, ses affaires seront interprétées selon chacun. Kwa mimbari moja habari hizi zitatafsiriwa kila mtu kwa namna yake. Et l'église sera dans la confusion. Na kanisa litakuwa katika kuchanganyikiwa.
Sixième, soyez patient. Soyez patient. Nous sommes venus adorer. Vous ne devez pas vous trouver quelque part, vous avez passé la journée ici, on vous pose la question, vous dites, « Balibi, vous viriez à Kanamina Sinzi. » Sixième, je suis content parce qu'on a prêché le septième, mais vous voyez, Dieu voulait réduire le travail. Bon, il est à quel verset? 12. J'ai regardé. Quand il ouvrit le sixième seau, il y a un grand tremblement de la terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les étoiles tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ça va filer. Muti unapotikiswa unaangushaka matunda yake chini. C'est comme ça que les étoiles ont commencé à tomber sur la terre. Ndivyo nyota zilianzaka kuanguka kwa dunia. Les étoiles. Nyota. Les lois de la terre. Wafalme wa dunia. Le ciel se retira comme un livre. Mbingu ika jitoa kama vile karatasi. Kama vile kitabu. Qu'on roule. Et toutes les montagnes, la milima yote, et les îles, na mito, visanga, furent remuées de leur place. Zika, visanga, ça va qu'il est caïtu, on a dit putain, kilishafika, walikal. Dio, visanga qui n'a jondo, hein, qui tout pas quelque part. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Même les rois se sont cachés. Même les militaires, les généraux, les patrons, les riches commencent à chercher là où il y a des cavernes. Dernier abandonne son étage pour aller se cacher là-bas à côté du lac. Chercher là où il y aura un trou. Un président de la République, Rais wa nchi, il abandonne le trône, anatoka kwenye enzi, les escortes fuient, lui aussi fuit, commence à chercher les trous dans la terre. Vous abandonnez les véhicules, vous abandonnez les étages, vous laissez les chars de combat, vous les teignez. Vous fouillez à pied. Vous allez chercher là où vous allez mettre votre tête dans les trous. Sixième saut. Amen, 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 amen. On continue. Et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous.
devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de la colère est venu. Et qui peut subsister? Amen. Le sixième saut, c'est quoi? Le sixième saut, c'est la lune, c'est le soleil qui sont troublés. Les îles sont déplacées. Les étoiles hommes du ciel. Les ciels se retirent. Ils se retirent comme un rouleau. Et automatiquement, tout devient noir. Les hommes fuient. Sans distinction de grade. Sans distinction d'argent, sans distinction du niveau, tout le monde doit fuir pour aller où? Il faut aller chercher des cavernes. Et ils disent, personne ne peut résister. Sans résistance. Sans résistance. Et les hommes commencent à chercher la mort, ils la manquent. Mon âme bien-aimé, le sixième saut, et quand il ouvrit le septième saut, Apocalypse 8:1. Parce que nous devons respecter toute l'écriture. 8:1. Amen. Quand il ouvrit le septième sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Septième sceau, un silence à peu près 30 minutes. À peu près nous sous ça. Et les amis vont vous dire que c'était 28 minutes. Sasa, wenzetu watakupasha kwamba ilikuwa ni dakika makumi mbili. Mais Frank a accepté que c'est 28 minutes. Mara hiyo na Frank mwenyewe alikubali kwamba ni dakika makumi mbili na nane. Voilà. Je voudrais maintenant vous poser la question. Sasa, napenda niwaulize. Je voudrais vous poser la question. Nataka niwaulize. Nous avons déjà annoncé tous les sept sauts. Tumetangaza mihuri yote saba. Maintenant la question c'est celle-ci. Sasa, ulizo ndilo hili. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile mihuri saba maana yake nini? Fini. Zimeisha. Il sera peut-être difficile pour vous de dire. Est-ce qu'on peut les mémoriser? Je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas censé les mémoriser. Mais au moins. Connaître que ce sont des symboles successifs qui se sont succédés devant Jean. Premier saut, cavalier blanc. Je ne peux même pas répéter pour ne pas vous perdre l'esprit. Alors, je vais vous dire que pour ne pas vous prendre le temps, nous allons maintenant nous référer à ce que dit maintenant le messager mandaté pour le dire. Amen. Et quand on vous dit, les tonnerres sont révélés.
dans les sceaux. Kwamba ngurumo zilifunuliwa katika mihuri saba. Et quand on vous dit, na mnapoambiwa, les sept sceaux sont révélés dans les tonnerres aussi. Ya kwa ngurumo saba zinafunuliwa katika mihuri. Alors, il faudra que vous sachiez. Ya famu jue. Tonnerre 1 c'est quoi? Ngurumo ya kwanza. Plutôt premier sceau c'est quoi? Mhuri wa kwanza ni nini? Deuxième sceau c'est quoi? Mhuri wa pili ni nini? Troisième. Ya tatu. Quatrième. Ya ine. Cinquième. Ya tano. Sixième. Ya sita. Septième c'est déjà. Na ya saba tayari. Si vous connaissez la signification. Ukijua maana yake. Ça suffit pour vous. Ya tosha kwa. Une courte méditation. Une courte chanson. Très courte, très courte. Très courte, frère. Après ça, nous allons maintenant expliquer. L'enterrement. Et puis, nous allons rentrer. Tout à l'autre. Néanmoins, l'Église a déjà compris que les sceaux elles-mêmes sont un secret. Elles-mêmes, c'est un secret. Il faut un messager pour le révéler. Et on a dit à la sonnerie de la trompette du septième ange. Tous les mystères seront révélés. Donc ce mystère est ici. Vont maintenant se révéler dans quelques minutes. Parce que c'est l'agneau qui a pris les sceaux. Il a brisé. Il a donné les secrets au septième âge. Ces secrets-là vont nous donner la foi et nous préparer comment être enlevé. Donc, rester sans connaître la signification, c'est manquer la foi. Qui doit nous enlever? Parce que nous risquons de tomber dans les pièges parce que nous ne savons pas où se trouvent les pièges. Donc la septième église a la chance de connaître là où les autres ont glissé pour ne pas glisser. L'église qui n'a pas le septième ange va tomber dans les mêmes pièges que les autres sont tombés. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître les sceaux et les tonnerres. Ndio maana tunahaja kujua maana ya ngurumo na mihuri. Allez-y, frère. Amen. Mungu shukuriwe kwa kutuletea ujumbe huu ulio tabiriwa na manabii hapo. Imba Mungu ushukuriwe kwa kutuletea ujumbe huu ulio tabiriwa na manabii hapo zamani. Malaika yule amepiga bara, ngurumo saba zimefu. Wana wa Mungu sote tuwe tayari sasa tu. Kunyakuliwa kumekaribia. Ni ujumbe wa kutayarisha bibi aru kwa kuja kwa pili airudishe ile imani ya kunya. Kweli ni ujumbe wa kutayari cha bibi arusi kwa kuja kwa pili, ili airudishe ile imani ya kunya. Malaika ule amepiga bara, ngurumo saba zimefu. Wana wa Mungu,
nyakulewa Malaika mule wasa Nabika Nabika Barakulewa Amina. Alors, mes chers amis, sasa wapendwa, je voudrais vous montrer une chose importante. Napenda niwa onyeshe jambo la muhimu sana. Vous ne pouvez pas expliquer les sept sceaux. Hauwezi fasiria mihuri saba sans avoir posé la question. Na haukuuliza ulizo. Cet homme là c'est qui? Yule mtu ni nani? Qui montait le cavalier? Aliye panda farasi. C'est sur homme là. Yule mtu. C'est monsieur là qui montait le cavalier. C'est le cheval, donc c'est cavalier d'abord. Yule panda farasi. Cet homme là qui montait le cheval, donc le cavalier. Aliye panda farasi ambaye ni mpanda farasi. C'est qui? Ni nani? Voilà ce que dit le message. Tazama yanayosemwa na ujumbe. Premier saut. Muri wa kwanza. Prêché le 18 mars 63. Iyo hubiriwa tarehe 18 Machi, cet homme ici qui partait en train de changer, c'est le même mais qui changeait. C'est un seul. Uyu aliyepanda farasi alikuwa ni mmoja aliyeenda akigeuza rangi. Celui-ci du premier saut. Uyu wa muri wa kwanza. Deuxième. Wa pili. Troisième. Wa tatu. Jusqu'à devenir la mort. Mupaka kageuka mauti. C'est un seul. Alikuwa ni mmoja. Et c'est Satan. Naye ni shetani. On nous dit. Tunaambiwa. Que sommes-nous en train de dire? Tuko tunasema nini? Qui est ce cavalier? Uyo mpanda farasi ni nani? Ce cavalier si le cheval. Uyo mpanda farasi juu ya farasi. Savez-vous ce que c'est? Munajua maana yake nini? C'est le sirom de Satan. Ni mutu mwenye kuwa na nguvu, mwenye shetani alienda iko natumikisha. Donc c'est la puissance de Satan qui le mettait dans les hommes. Ni uwezo wa shetani uliokuwa ukiingia ndani ya mtu. Donc Satan, maana yake shetani, utilisait les gens. Alikuwa akitumikisha watu. Leur donnait une puissance. Akiwapatia nguvu. Pendant les sept âges de l'église. Katika nyakati saba za kanisa. Il leur donnait la puissance d'exécuter cette mission ici. Alikuwa akiwapatia nguvu za kutimiza hii kazi. S'il faut tuer. Kama ni kuua. S'il faut mettre la balance. Kama yafaa kuleta kilo. S'il faut amener quoi que ce soit dans les églises. Kama ni kuleta haizuru nini kanisani. C'est Satan ici. Ni uyu shetani. Donc cette partie ici. Hii sehemu hii. C'est le diable qui utilisait les hommes. Ni shetani aliyekuwa akitumikisha wanadamu. C'est la première révélation. Hiyo ndiyo funuo ya kwanza. Donc Satan. Shetani. Passé dans les hommes. Akipitia watu. Pour faire des choses. Kufanya mambo. Sur la terre. Kudunia. Et dans les églises. Na ndani ya makanisa. Pendant que les autres sont en train de penser que c'est une personne, on découvre que c'est ce que le diable faisait dans les gens. Wakati watu wengine wanawazia kwamba ilikuwa ni mtu fulani, lakini natambulikana kupitia mjumbe ya kwamba ni shetani aliyekuwa akifanya kazi kupitia wanadamu. Alors, deuxième question. Ulizo la pili. Mais ces animaux là,
Wale wanyama. Ces êtres vivants qui appelaient Jean, viens. Wale wenye uhai waliokuwa wakiita Yohana na kumwambia kuja uone. Viens voir, viens voir. Kuja uone. C'est quoi? Ni nini? Prenez vos Bibles, Apocalypse 4. Rapidement. Biblia yenu Ufunuo sura 4. Rapidement, mes amis. Haraka wapendwa. Nous devons apprendre. Yafatu ujifunze. Apocalypse 4. Ufunuo sura 4. Vous allez trouver ces quatre êtres vivants. Mutawapata wale wenye uhai wane. On y va. Twende sasa. Je ne vais pas lire tous les livres d'Apocalypse 4. Sita soma kitabu chote cha Ufunuo sura 4. Mais. Bali. Il y a. Verset 6. Kuna hapa shairi ya sita inayosema. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Continue. Semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Ok. Il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Sawa. Na, mbele ya kiti cha ufalme, kulikuwa mfano wa bahari ya kio sawa birauli na katikati ya kile kiti cha ufalme na kuzunguka pande zote za kile kiti wanyama wenye uhai wane wamejaa macho mbele na nyuma na mnyama wa kwanza alikuwa mfano wa simba na mnyama wa pili alikuwa mfano wa kinda la ngombe. Mnyama wa tatu alikuwa na uso sawa uso wa mtu. Na mnyama wa nne alikuwa mfano wa tai anayeruka. Écoutez. Musikie. Le premier être vivant. Chenye uhai cha kwanza. Semblable à un lion. Kinafanana na simba. Le premier lion. Ya kwanza simba. Le deuxième bœuf. Ya pili ngombe. Le troisième comme un homme. Ya tatu sawa mtu. Le troisième comme un aigle volant. Ya ine sawa tai arukaye. Souvenez-vous. Kumbukeni. C'est la puissance que Dieu a utilisée. Ni nguvu Mungu alizotumia. Pour venir contrecarrer le diable ici dans les âges. Pakuja pingana na shetani hapa. Donc quand le diable envoie l'homme au cheval blanc. Wakati shetani anatuma mtu wa farasi nyeupe. Dieu aussi envoie. Restez là un peu. Mungu naye anatuma le lion simba l'onction du lion upako wa simba quand le diable envoie le cheval rouge wakati shetani anatuma farasi nyekundu avec son cavalier na mpanda farasi wake Dieu envoie le bœuf donc Mungu naye anatuma ngombe donc il envoie le bœuf anatuma ngombe la vache kinda la ngombe quand le diable envoie le cavalier roux, le cavalier au cheval noir. Shetani anapotuma mpanda farasi na farasi nyeusi. Dieu envoie la puissance de l'homme. Mungu naye anatuma nguvu za mwanadamu. Mutu. Quand le diable envoie la mort. Shetani anapotuma mauti. Dieu envoie l'aigle. Mungu naye anatuma tai. Gardez en tête que Mujue kwamba akilinwenu. Dieu n'a jamais laissé son peuple combattre seul. Mungu haya achaka taifa lake lijipigani. Que ça vous donne aussi la foi de l'enlèvement. Que nous ne sommes pas en train de combattre avec nos propres efforts. Atupigane kwa nguvu zetu wenyewe. Les élus jusqu'au temps de la fin. Wateule mpaka wakati wa mwisho. Seront toujours accompagnés de la présence de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Watakuwa tu wakisindikizwa na nguvu za Mungu kwa njia moja au nyingine. Amen. Amina. C'est la puissance. Ni nguvu. Vous allez les trouver dans les livres qu'on appelle le cinquième sceau. Mutayakuta katika kitabu kinachoitwa muhuri wa tano. Au paragraphe 84. Kwa mtaji wa 84. Il y a eu quatre êtres vivants de Dieu. Kulikuweko wenye uhai wane wa Mungu. Pour annoncer les cavaliers alors qu'ils chevauchaient. Kwa kutangaza wapanda farasi wakati walipo enda wakirukaruka. Quatre animaux ce sont quatre puissances. Wanyama wane ni nguvu ine. Mais. Lakini. Maintenant nous savons qu'un animal selon l'interprétation des termes symboliques de la Bible. Tunajua sasa nyama sawasawa na matamshi ya mfano wa Biblia. Ça représente une puissance.
Nyama unamaanisha nguvu fulani. Maintenant voyons cela plus près. Sasa tuyangalia kwa makini. Ce sont des animaux. Ni wanyama. Les quatre ce sont des animaux. Wale wane ni wanyama. Ce qui dans la Bible inayosemeka mu Biblia représente une puissance qui agit dans les gens. Inamaanisha uwezo unaotumika ndani ya watu. Mais bien aimé, écoutez. Wapendwa sikia. Quand le diable amène ça, wakati shetani analeta hivi. Il a mis dans les élus l'onction du lion. Mungu akatia ndani ya wateule upako wa simba. Les élus wateule ont eu l'onction du lion. Wakapewa upako wa simba. Les gens utilisés par le diable ont eu l'onction du cavalier blanc. Watu waliotumikishwa na shetani wakapata upako wa mpanda farasi mweupe. Je vais vous poser la question. Sasa nitawauliza. Je vais vous poser la question. Niwaulize sasa. Le quatrième sceau. Muhuri wa nne. Le quatrième sceau. Ule muhuri wa nne. Cadre avec quel animal? Inapatana na mnyama gani? L'aigle. Tai. Et l'aigle c'est quoi? Tai ni nini? C'est l'onction d'un prophète. Ni upako wa nabii. Quelque chose qui est en haut. Kitu kilicho juu sana. Et qui regarde très loin en bas. Na kinatazama chini mbali. Les chrétiens de cet âge. Wa Kristo wa mwiki kizazi. Seront capables de regarder toutes les failles et les faiblesses de toutes les églises. Watakuwa na uwezo wa kuangalia madhaifu yote ya haya makanisa. Et ils découvriront là où il y a des erreurs. Na watatambua kwenye makosa yako. Parce que sababu l'aigle vole le plus haut. Ta inarukaka yulu et sana. Et regarde plus loin. Na inaangaliaka mbali sana. Amen. Amina. Alors mes chers amis, sasa wapendwa, on se pose maintenant la question. Sasa kuna ulizo. Il y a le premier sceau. Kulikuwa muhuri wa kwanza. Qu'est-ce signifie le premier sceau? Muhuri wa kwanza maana yake nini? Cavalier blanc, panda farasi mweupe, avec l'arc, na upinde, il part en train de vaincre. Alienda akishinda na kushinda. Le diable est entré dans les âges de l'église. Shetani aliingiaka mu vizazi vya kanisa. Il s'est présenté comme l'ange de la lumière. Akajionyesha sawa malaika wa nuru. Mais son but c'était de combattre Dieu. Shabaha yake ilikuwa ni kupigana na Mungu. Et cela, na hiyo, ça s'est fait, ilifanyikaka, sous forme de quelque chose de blanche. Katika hali ya weupe. C'est-à-dire, maana yake, le diable est venu, Shetani alikuyaka, retirer Dieu dans l'église, kuondoa Mungu kanisani, d'Éphèse, kanisa la Efeso, Smyrne, Smurna, Pergamo, dans ce niveau de ces trois âges de l'église. Mwayo kiwango ya vile vizazi tatu vya kanisa. Dieu Mungu était dedans. Alikuwa ndani. Mais le diable est venu éteindre le feu que les apôtres avaient planté. Shetani akakuya kuzimisha moto ambao mitume walikuwa waliwasha. Comment il a éteint le feu? Alizimishaka moto namna gani? Il a commencé à interdire les gens de crier. Alianzaka kukataza watu wasilalamike. Wasipaze sauti. De faire des adorations comme des grands patrons. Wafanya ibada sa vile waheshimiwa. Quand la prédication devient très douce. Wakati mahubiri inakuwa tamu. Amen. Ukisema amina. Mudi no 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 no. Wanakwambia tulia tulia. Les autorités sont dans l'église ici, tu dois calmer. Wakubwa walitutembelea, lazima utulie. Ne te cause, ne nous cause pas de la honte. Usitupatishe haya. Les gens qui avaient l'onction, watu waliokuwa na upako, on a commencé à leur dire, wakaanza ambiwa, non, 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 ils ne font pas être dans l'onction jusqu'à oublier que nous avons des visiteurs, frères. Usiwe na ingia mupako, ufikia kusawi ya kwamba tuna wageni. N'oubliez pas, musisahau, cette onction ici du diable, hii upako ya shetani, a opéré dans trois âges. Il itumika mu vizazi tatu. Il a opéré dans trois âges. Il itumika katika vizazi tatu. Il a opéré. Il itumika dans l'âge d'Éphèse. Mu kizazi cha Efeso. Smyrne. Smurna. Pergamo. Pergamo. Cette onction a commencé à
après les apôtres jusqu'en 606. Ile upako ulianzaka nyuma wa mitume tangia ma mpaka mwaka 606 nyuma ya Yesu njo hii roho ilikuwa kudunia. Ndio. 606 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Plutôt. Mwaka wa 606 nyuma ya Yesu. Donc Éphèse, Éphèso, Smyrne, Smyrne, Pergame, c'est dedans. Vous entrez dans l'église, unaingia mkanisa, on vous fait comprendre que wana kuelewesha kwamba être dans l'église, kuwa kanisani, vous devez être dominé par les gens, unapaswa tawaliwa na watu, qui doivent aussi prendre des décisions si vous-même quand vous ne voulez pas. Ambao wana uwezo wa kukamata mipango juu yako hata kama hutaki. C'est le nicolaïsme. Ni ile unikolai. Unikolai ni nini? Kutawala watu bila Saint-Esprit. Bila neno la Mungu. On a commencé à nommer des ministres qui n'ont pas le Saint-Esprit. Walianza chagua watumishi ambao hawana Roho Mtakatifu. Donc vous prenez quelqu'un, unatoa mtu, quand vous voyez qu'il a de l'argent, ukikuta kuwa ana pesa, tu deviens diacre. Unakuwa shemasi. Maintenant, sasa il vient, wanakuja dans la forme de quoi? Anakuja katika hali gani? Il vient dans la forme de travailler. Anakuja katika hali ya kutumika. Pour Dieu. Kutumikia Mungu. Mais il y avait maintenant ce que Paul avait dit. Des loups habillés en peau des agneaux. Lakini ikakuya onekana. Ile Paulo aliyosema kwamba. Watakuwa mbwa mwitu wenye kuvaa ngozi ya kondo. Le diable a commencé d'infiltrer les églises. Shetani akaanza penyeza makanisa. En mettant des choses qui ressemblent aux croyants mais qui ne sont pas des croyants. Wakitia vitu vya kufanana vya waamini lakini na si waamini. C'est blanc. Ile weupe. Mais c'est le diable qui fait ingérer ça. Lakini ni shetani anaye vipenyeza ndani. Vous trouvez les gens. Unakuta watu. Ils adorent. Wanaabudu. Ils font tout. Wanafanya yote. Mais la vie. Lakini maisha. N'est pas blanche. Hayako meupe. Vous voyez les brebis. Unaona kondo. Mélangé. Zikichanganyika. Mais avec des loups comme Paul avait dit. Après moi, les loups vont venir. Lakini pamoja na mbwa mwitu. Sababu Paul alikuwa alisema kwamba nyuma yangu kutakuja mbwa mwitu. Je ne sais pas si vous pouvez détecter là où se trouvent les loups là-bas. Sijue kama munaweza gundua kwenye mbwa mwitu iko pale. Dans le dessin là-bas. Katika picha hii. Ok. Sawa. Paul en avait dit qu'après moi les loups ravisseurs allaient venir. Paul alikuwa alisema kwamba mbwa mwitu zingalikuja nyuma yake. Et c'est comme ça. Na ni vile. Que. Kwamba, on a commencé walianza, dans les âges de l'église. Muvizazi vya kanisa, on a commencé wakaanza, à prêcher. Kuhubiri, mais lakini, dans le but de ne pas amener les gens au ciel. Katika shaba ya kutofikishaka watu mbinguni, le but shaba yao, c'était de se trouver d'abord la richesse. Ilikuwa ni kujipatia utajiri, et de vivre une vie. Na waishi maisha, qui vous amènera seulement à ressembler à l'église. Mais ce n'est pas l'église. Itakayowafikisha wafanane kanisa lakini haliko kanisa. Les gens ont commencé à s'opposer à la parole de Dieu. Watu wakaanza kupingana na neno la Mungu. Des apôtres mitume pour semer d'autres choses. Kwa kupanda mambo mengine. C'est comme ça que ni hivyo. Par exemple comme pour les périodes de Constantin. Kwa mfano wakati wa mtawala Constantino. On a commencé à dire aux gens. Walianza ambia watu. Il n'est pas nécessaire de mettre quand même les chefs d'alo quand même. Si lazima mutawala aingizwe katika adumbuizwe katika maji. Ça c'est dans l'âge de Pergame. Hamo ni katika kizazi cha Pergame. On a commencé à dire. Wakaanza kusema. C'est un président. Wakati ni mkubwa. C'est un roi. Ni mfalme. Ne le mettez pas dans l'eau. Musimuzamishe mu maji. De l'eau ici sur la tête. Mumwange tu maji kichwani. C'est aussi un baptême. Nao ni ubatizo. C'est là où ça a commencé. Ni pale yalianziaka. C'est à partir d'ici avec les cavaliers blancs. Ni kuanzia hapa kwenye mpanda farashi mweupe. Vous baptisez. Dites aux gens que vous les baptisez alors que ce n'est pas le baptême. Unaambia watu ya kuwa unawabatiza na hauwabatize kwa kweli. Et les gens rentrent en train de dire j'ai été baptisé. Na watu wanarudi wakifurahi wakisema nilibatizwa. Ça ressemble au blanc. Inafanana yeupe. Mais c'est la mort. Lakini ni kifo. C'est dans cette période où on a introduit le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour remplacer le baptême que les apôtres avaient laissé. C'est là-bas au premier saut. Ni mwaile wakati ubatizo wa baba, mwana na roho mtakatifu ulipenyezwa
kwa kuzika ile ubatizo ya mujina la Bwana Yesu Kristo. C'est dans cette période là. Ni mwa wakati ule. Là on a commencé à faire le concile. Kwenye walianza fanya almashauri. Le concile général de Nicée 324. Almashauri ya Nikea. Le concile de Constantinople en 381. Almashauri ya Constantinople 381. On a commencé à introduire des choses. La prière pour les morts. Vous venez confesser devant quelqu'un. Unakuja. Au lieu d'aller vous repentir chez quelqu'un que vous avez offensé. Unakuja. Kiongozi kuliko kwenda ungama ya mwenye ulikosea. C'est comme blanc. Inafanana nyeupe. Mais ce n'est pas la vérité. Lakini haiko kweli. C'est comme blanc. Inafanana nyeupe. Mais ça vient combattre l'évangile des apôtres en secret. Lakini ikipiganisha injili ya wamitume kwa siri. Et quand on vous baptise, na wanapokubatiza, vous dites, unasema, j'ai été baptisé. Nilibatizwa. Alors que baptiser veut dire enterrer. Ingalao, kubatizwa maana yake. Ça veut dire vous immergez, vous plongez dans. Vous plongez quelqu'un comme on enterre un mort manake, et vous le faites sortir par la résurrection de Jésus. Maintenant je vous pose la question. Est-ce que cet esprit n'a pas continué jusqu'aujourd'hui? C'est là. Ni pale. C'est là. Ni pale. C'est là où ça a commencé. Ni pale yalianziaka. C'est là où ça a commencé. Pale njo kwenye yalianziaka. Maintenant Dieu sasa Mungu n'a pas voulu que le feu s'éteigne. Hakupendaka moto uzimike. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema kanini? Il a dit moi aussi. Akasema mimi pia. Je vais utiliser l'onction du lion. Nitatumia upako wa simba. Cette onction ici, hii upako, elle a travaillé dans trois hommes. Ikatumika ndani ya watu watatu. Paul, Paulo, Irénée, Martin, Martino. Ça c'est la puissance de Dieu dans les hommes. Zile ni nguvu za Mungu ndani ya wanadamu. Donc les gens sont venus. Watu wakakuja. Ils ont dit non 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 non. Wakasema hapana hapana. Non non, écriture frère. Turudilie maandiko wa Mungu. C'est l'onction du lion. Ni upako wa simba. L'onction du lion. Upako wa simba. Comme le lion rugit. Kama vile simba anavyonguruma. Comme Jésus est le lion de la tribu de Juda. Vile Yesu ndiye simba wa kabila la Yuda. Il n'a pas lâché que les écritures s'effondrent. Ambaye hakukubali maandiko yazame. Alors trois hommes se sont élevés. Alafu watu watatu wakasimama. Ils ont dit nous ne pouvons jamais accepter que l'église soit le lieu où on doit déposer chaque bêtise. Wakasema hatutakubali kanisa liwe pahali kwenye kutakuwa kila uchafu. Alors ils ont dit wakasema revenons aux écritures. Turudilie maandiko. Ça ile c'est l'onction du lion ni upako wa simba qui a combattu la puissance du diable iliyopiganisha nguvu za shetani dans les trois âges de l'église. Mwa vile vizazi tatu vya kanisa. Faites attention. Ufanye. Quand vous entrez dans une église, unapoingia kanisani, là où les gens tordent les écritures, kwenye watu wanageuza maandiko, mais lakini, il vous montre que c'est ça la vérité. Wanakuonyesha kwamba ndio kweli. Vous posez la question. Unauliza. Vous avez lu où? Muliyasoma wapi? Il vous montre un verset. Wanakuonyesha shairi moja. Mais il vous cache un autre. Wanakuficha ingine. Je vais vous poser la question. Niwaulize sasa. Jésus a dit aux apôtres, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Yesu aliambia mitume mubatize mujina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mais après il a dit quoi? Badaya kawambia nini? Ne faites rien. Lakini musifanye lolote. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Hadi hapo Roho Mtakatifu atakapokuja. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu. Alors vous serez mes témoins. Ndiposa mtakuwa washuhuda wangu. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont baptisé dans quel nom? Sasa wakati Roho Mtakatifu alipokuja walibatizaka mujina gani? Au nom du Seigneur, mujina la Bwana, il leur avait dit quoi? Christo. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc les apôtres baptisés pendant que Jésus était là. Kwamba mitume walibatizaka wakati Yesu alipokuwa hata. Mais comment l'homme va vous dire? Sasa namna gani mtu atakwambia? Ils ont allé baptiser par rébellion. Walienda batiza kwa kiburi. Kwa uasi. Tout simplement, parce qu'il leur avait envoyé, mais avec la mise en garde.
Ne faites rien si le Saint-Esprit n'est pas là. Car le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est dans la 325 qu'on a changé le baptême. Le baptême a existé au nom de Jésus-Christ jusqu'à 325. C'est dans le concile de Nicée qu'on avait changé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On l'a transformé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient jamais baptisé dans ce nom. Ubatizo mujina la Bwana Yesu Kristo ilianzaka na wamitume mupaka mwaka wa 325. Wakati sasa almashauri ya Nikea ilipokuja ni katika huu mwaka wa 325 waligombola ubatizo wa baba wa jina Yesu Kristo mujina la baba mwana roho mtakatifu. Ok? Sawa. Ok? Sawa. Je vais vous lire une petite citation. Nitawasomea mtajwa mwingine. Parce que je ne terminerai pas tous les sauts. Sababu sitamaliza mihuri yote. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de garder notre tableau. Ndio maana niliagiza watu wachunge ubao. On ne va pas l'effacer. Hautafutwa. Et je ne le terminerai pas aujourd'hui. Na sitaimaliza leo. Parce que le temps que nous avons dépensé dans la première partie. Sababu muda tulimaliza katika sehemu ya kwanza. Ne nous permettra pas de terminer le tout. Haitaruhusu tumalize yote. Donc nous allons nous arrêter quelque part. Tutasimamia fasi fulani. Un matin nous viendrons. Asubuhi moja tutakuyaka. Pour maintenant commencer de 1 en descendant. Ili tuanzia kumoja tukishuka. Mais rassurez-vous, lakini muhakikishe, qu'on ne peut pas terminer le tout à cette ya kwamba hatuwezi maliza yote kwa wakati huu. Alors, écoutez ça. Sasa msikie hivi. C'est pour ça que dans l'église primitive, ni kwa sababu ya hiyo katika kanisa la kwanza, il y avait des guérisons, kulikuwa uponyaji, des miracles, miujiza, des visions, maono, de la puissance, na nguvu. C'est parce que c'était la parole vivante. Ni kwa sababu lilikuwa neno lenye kuwa hai. Sous la forme du lion de la tribu de Juda. Katika hali simba ya kabila la Yuda. Qui sortait pour combattre cela. Ilio toka na kupigana na ile. Amen, vous l'avez saisi. Amina je mumeishika. Maintenant, sasa, il envoie sa puissance l'antichrist. Akatuma nguvu zake ambayo ni mpinga Kristo. Dieu envoie la sienne, la parole. Mungu naye akatuma nguvu zake neno. L'antichrist, faux enseignement. Mpinga. Ma fundisho ya uongo. Le vrai enseignement est sorti en même temps. Kwa wakati ule ule mafundisho ta. Pour le combattre. Kwa kumupiganisha. Donc ça, manake hii, c'était la première. Ilikuwa ni ya kwanza. Donc, maana yake, c'était la première église. Ilikuwa ni kanisa la kwanza. L'église apostolique qui est sorti pour l'affronter. Kanisa la wa mitume lililotoka kupambana naye. Musikie. Amen. Muhuri wa kwanza. Muhuri wa kwanza. Ndiyo, ndiyo. C'est le diable qui sort. Ni shetani anayekuja. Sous forme d'antichrist. Katika hali ya mpinga Kristo. Pour essayer de déranger la parole des apôtres. Kusudi atatize neno la wamitume. Comme ça, Ivi, que les gens se perdent. Watu wapoteye. Mais l'être vivant qui est dans le premier saut. Sasa. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Le lion de la tribu de Juda. Simba la kabila la Yuda. Qui faisait tout pour que l'enseignement ne soit pas perdu. Iliyo piganisha kusudi mafundisho ya kweli yasipotee. Donc l'église a été maintenant divisée en deux parties. Kwa hiyo, kanisa likagabuliwa sehemu mbili. Une partie a commencé d'avaler les enseignements contraires aux apôtres. Sehemu moja ikaanza meza mafundisho. Tofauti na mitume. Et la partie qui a gardé l'onction du lion. Na sehemu iliyobaki na upako wa simba. A continué à conserver l'évangile. Iliendelea ikichunga injili. Sinon ça serait éteint. La sivyo ni kama ilizimikaka. Hakuna kitu kibaya sawa mafundisho ya bongo ikuye. Na kukosaki hata mtu moya wa kuivumbula. Wa kuitetea. Batu na banapotea bote. Amen, amen. Mena Mungu haitikake bote wapoteleye limoya. Apana, wakati apana. Adui analeta vya bongo, anazushaka na batu wakubifumbula na kubipiga makuku. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Dieu ne permettra jamais que le diable affronte sans avoir quelqu'un pour l'affronter. Mungu hata itikaka shetani ainuke kukosekana wakumupiganisha. C'est comme ça ni vile tu, que le diable a travaillé shetani alivyo tumika, dans trois âges de l'église. Katika vizazi tatu vya kanisa. Éphèse, Efeso, Smyrne, Smurna, Pergame. Na Pergamo. La transformation
de la vérité des apôtres. Kubadilisha neno la kweli la mitume. Comme si c'est blanc. Ça vile ni leupe. La domination de l'église. Kutawaliwa ya kanisa. Sans Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu. On a commencé à désigner des gens. Wakaanza kwa wanatia watu. Maître des évêques. Wawe makasisi. Des prédicateurs. Wahubiri. Mais qui n'avaient jamais été sauvés. Ambao hawakuokokaka hata. Vous voyez quelqu'un là-bas à la chair. Unaona mtu pale mimbarani. Il prêche. Anahubiri. Mais sa vie n'est même pas conforme à la prédication. Maisha yake hayaambatani na mahubiri anayotoa. Amen. Amina. L'antichrist. Mupinga Kristo. A commencé sa course. Akaanza safari yake. Par un ministère d'enseignement. Kupitia huduma ya mafundisho. Ça c'est ici. Il a commencé par un ministère d'enseignement. Akaanza na huduma ya mafundisho ni hapa. Maintenant, sasa, observez celui qui est sorti pour l'affronter. Muangalie mwenye alitokaka pigana naye. Le lion. Le lion de la tribu de Juda. Simba la kabila la Yuda. Qui est la parole? No. Quand son faux enseignement est sorti, wakati mafundisho yake ya... La vraie parole est sortie pour l'affronter. Neno la Mungu la kweli lilitoka kupingana naye. Ça c'est le 5e messo paragraphe 121. Ni muhuri wa 5 mtajo 121. Kama babu pose la question. Wakati mutaulizwa. Muhuri wa kwanza ni nini? Le premier saut c'est quoi? Muhuri wa kwanza ni nini? Qu'est-ce que les tonnerres ont dit dans le premier tonnerre? Le premier tonnerre dit quoi? Ngurumo zilisemaka nini katika muhuri wa kwanza? Il faut dire ceci. Mwe munasema Jean Yohane a vu aliona que kwamba il y aura un homme qui allait venir kungekuwa mtu mwenye angekuya avec l'arc na upinde mais sans flèche. Il allait partir en train de vaincre na akishinda na kushinda. C'est l'antichrist qui devait commencer à enseigner les faux. Ni mupinga Kristo mwenye angeleta mafundisho ya uongo pour détruire ce que les apôtres avaient semé. Yenye mitume walikuwa walipanda. Il a commencé à injecter dans les églises des choses qui n'existent pas dans les écritures. Akaanza kupenyeza mambo mukanisa mambo yenye hayako mu maandiko. Mwaje wewe poser la question. Sasa niwaulize. Comment aujourd'hui les gens prennent les pains sans lever pour la Sainte Cène? Namuna gani leo watu wanakamataka mikate ya chachu kumeza ya Bwana? Ce n'est pas biblique. Haiko maandiko. Mais on fait la Sainte Cène, on dit tulikuwa kumeza. Lakini wanaitumia kwenye meza ya Bwana. Sans prophète, on n'allait pas le savoir. Bila nabi, hatungejua maana yake. Alors, on va vous dire. Sasa mutambiwa. Le premier saut, c'est quoi? Muhuri wa kwanza ni nini? Quel est l'animal qui a appelé Jean pour dire, viens voir? Ni nyama gani ulioita Yohane kumwambia kuja uone? Il faut dire, le premier être vivant, le lion. Wenye uhai wa kwanza uliokuja ilikuwa simba. Le lion représente quoi? Simba inamaanisha nini? La parole, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda. Neno maana yake simba wa kabila la Yuda. Quand le faux enseignement est sorti, wakati mafundisho uongo ilitoka, Dieu a envoyé aussi le vrai enseignement pour les rencontrer. Mungu naye akatuma mafundisho ya kweli kupigana naye. C'est comme ça qu'il y avait ceux qui prêchaient les faux et ceux qui prêchaient les vrais. Ndio vile kulikuwa waliokuwa wakifundisha uongo na wenye kufundisha kweli. Jusqu'à ce que les trois âges sont finis. Mpaka vile vizazi malizika. Ces faux enseignements, yale mafundisho ya uongo, saisissent même nos églises aujourd'hui. Yanashika na kunasa makanisa hata leo. Mais les élus wateule découvriront les faux. Watatambuaka uongo. Ça leur permettra d'échapper pour être enlevé. Itawaruhusu waponyoke ili wanyakuliwe. Connaître les erreurs des autres. Kujua makosa ya wengine. Ça nous sauve. Inatuokoa. Et ça nous donne la foi de l'enlèvement. Na inatupatia imani ya kunyakuliwa. Ne pas connaître là où le diable a glissé les faux. Kutojua kwenye shetani alipenyezeaka uongo. Ça vous amène d'être pris au piège du cavalier blanc. Kisha kunaswa mumutego ya mpanda farasi mweupe. Okay? Sawa. Je vais éteindre un peu. Nitazima kidogo. Je vais éteindre un peu. Nitazima kidogo. Je vous fais faire la révision mentale. Ni wafanyishe mkaguo ya ufahamu. Et puis kisha, je clôture, nous prions. Nitamalizia pale. Nous allons prier pour un garçon et une fille. Tutaomba sababu kuna kijana ambaye tutaombea naziri yake.
révision générale. Yayote. Jean entend le tonnerre. Yohane anasikia ngurumo. Veut décrire. Veut écrire. Alipotaka andika. On lui interdit. Akakatazwa. On lui dit. Anaambiwa. Le septième messager va révéler. Mujumbe wa sabata funua. On dit. Inasemeka. Se révéler dans les sept sceaux. Inafunuliwa katika mihuri saba. Les sceaux c'est quoi? Mihuri ni nini? C'est l'ensemble des symboles que Jean a vu se dérouler devant lui. Ni mfurulizo wa mifano ambayo Yohane aliona mambo yakipitika mbele yake. Sans signification. Bila mafasirio. La signification mafasirio a été donnée au septième message. Yalipewa mujumbe wa saba. Premier saut. Muri wa kwanza. Cavalier blanc. Mupanda farashi mweupe. Il a l'arc. Ana upinde. Il va vaincre. Atashinda. L'arc ça veut dire. Upinde unamaanisha nini? Le désir de se battre. Hamu ya kupigana. Vaincre, c'est-à-dire kushinda manake nini? Son faux enseignement a continué à vaincre jusqu'aujourd'hui. Yale mafundisho ya uongo yaliendelea mpaka leo. Cavalier, mpanda farasi, le cheval est blanc, ya farasi nyeupe, il veut ressembler à quelque chose d'innocente qui n'a pas de péché. Ina kinachotafuta kitu cheupe ambacho hakina hatia au dhambi. Mais qui monte cela? Nana naye ipanda? L'homme du diable. Mutu wa shetani. Le but c'est lequel? Shabahagani? Éloigner les gens de la parole. Kutenga watu mbali na neno la Mungu. Mais quel est le désir de Dieu? Na haja ya Mungu ni nini? L'empêcher qu'il prenne tout le peuple de Dieu en otage. Kumuzuia kwamba asikamate taifa la Mungu mateka. Il envoie quoi? Anatuma nini? La puissance de Dieu. Nguvu za Mungu. Représenté par quoi? Zikimaanishwa na nini? Un lion. Simba. Le lion c'est qui? Simba ni nani? Jésus. Yesu mwenyewe. Jésus c'est qui? Yesu ni nani? Le lion de la tribu de Juda. Simba la kabila la Yuda. Jésus c'est qui? Yesu ni nani? La parole. Neno. La parole est venue. Neno lilikuja. Empêcher le diable. Kuzuia shetani. De tout transformer. Asibadilisha yote. Mais ça lui a pris trois âges de l'église. Lakini iligarimu vizazi tatu vya kanisa. Efeso, Smyrne, Smurna, Pergamo. Pergamo. Paul, Paulo, Ireneo, Martin. Martino. Les élus qui sont morts dans cet âge seront enlevés avec nous. Wateule waliofariki katika vile vizazi watanyakuliwa pamoja na sisi. Les gens que le diable a réussi dans cet âge à détourner l'enseignement doivent passer au jugement. Watu wenye shetani alikamata mateka mwa vile vizazi watapitaka kuhukumu. C'est comme ça que Dieu a séparé au premier âge. Ni vile Mungu aliendaka kitenganisha mu vizazi vya kwanza. Mena si Jean allait dire. Sasa Yohana angesema. J'ai vu un homme. Niliona mtu. Qui s'appelle Irene. Anaitwa Ireneo. Qui s'appelle Martin. Anaitwa Martino. S'il allait dire. Angesema. J'ai vu les gens. Niliona watu. Transformés. Wakibadilisha. Baptême au nom de Jésus-Christ. Ubatizo mujina la Bwana. Ils ont changé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Wakaigeuza mujina la Baba Mwana Roho. Ils ont commencé à mettre de l'eau sur la tête. Wakaanza mwangia maji kichwani. S'il allait écrire. Angeviandika. Personne n'allait tomber dans les pièges. Hangu hakuna mwenyanga linaswa mumutego. Même les gens qui étaient destinés d'être perdus allaient être sauvés. Hata wenyewe waliandaliwa kupotea wangeokoka. Alors Jean n'a pas écrit. Alafu Yohane hakuandika. C'était un silence de sept tonnerres. Ilikuwa ni kimya ya zile ngurumo saba. On n'a pas voulu écrire ce que les tonnerres ont dit. Hakutaka kuandika yenye ngurumo zilisema. Pour que ili kwamba les élus vainquent ça sans savoir là où c'est écrit. Wateule washindane na wajue kwenye vinaandikwa. Et que le septième messager vienne nous le dire quand c'est déjà passé. Yakuwa mjumbe wa saba aje kuvituelezea na yalishaka pita. Mwenye alishindwa na alishashindwa na mwenye aliweza na alishaweza Messie tusibianguka kia. Amen. Celui qui a vaincu a échoué, mais que nous du septième âge qu'on ne tombe pas dedans. Wakushinda na alishinda na wakushindwa na alishindwa lakini sisi wa mukizazi cha saba tusianguke mule ndani. Même aujourd'hui vous trouverez des églises qui vous disent qu'ils se basent sur le fondement de sept des apôtres, mais vous regardez les dossiers apôtres. Ah! Hata leo kuna makanisa yanayo jigamba ya kwamba yanasimamia misingi ya mitume, lakini unapoona yanayosemwa hakuna kuhusu wa mitume unayakosa. Hakuna, unatafuta cha kimitume ndani. Mimi nakwambia tuko kubia mitume frère. Unatafuta vya mitume hakuna. Unakosa. Amen. Amina. Voilà. Ni hayo. Nous rentrons avec la dette de combien de sceaux? Tunarudia na deni ya mihuri ngapi?
5. J'ai votre dette de 5 sous. Nina deni yenu ya mihuri 5. Lesquels? Ambazo ni zipi? 2 3 pili 4 5 5 6 6. Vous connaissez déjà combien? Mume fahamu ngapi? 2 2. Numéro combien? Yangapi? Numéro 7. Ya saba. Qui a été expliqué le dimanche passé. Ilio fasiliwa Jumapili iliyopita. Et numéro combien? Na namba ngapi? 1. Ya kwanza. Que je viens d'expliquer. Ambayo nimetoka fasilia. Donc je vais expliquer numéro 2. Maana yake nitafasilia ya pili. 3. Ya tatu. 4. Ya ine. 5. Ya tano. 6. Na ya sita. Okay? Sawa. Okay? Sawa kanisa. Mais c'est pour que tu ne sois pas présent. Yawezekana usiku wake. Mais souviens-toi. Lakini kumbuka. En quelques mots. Kwa maneno machache. Avant que je n'explique. Mbele nifasirie. Je te dirai ceci. Nitakwambia kahivi. Le cavalier rouge. Mpanda farasi mwekundu. C'est quand on a commencé à tuer tous ceux qui ne croyaient pas comme l'église de ce moment-là, l'église catholique. Ni wakati walianza uwa kila yeyote alipingana na imani ya kikatolika. On a tué. Wali wauwaka. On a pris l'épée. Walitoaka upanga. On a tué. Wakaua. Il y avait plus de blagues. Hakukukua mza. On vous tue. Wanakuwa. C'est quand ni wakati les musulmans wa Islam avaient commencé aussi à faire la guerre. Walianza kafanya vita contre ceux qui ne croyaient pas aussi. Zidi ya wenye hawaamini dini yao. On a commencé aussi à faire la guerre de croisades. Ndipo kulianza fanyika iyo vita. Le sang a été versé. Damu ikamwangika. Le cavalier noir ici. Uyu mpanda farasi mwe usi. On a commencé à vendre la prière dans l'église. Walianzaka churuza maombi kanisani. Et aujourd'hui ça continue. Na leo inaendelea. Vous venez chez le pasteur. Unakuja kwa mchungaji. Cette prière ici c'est $50. Anakuambia haya maombi ni ya dola 50 au 50. C'est $80. Hii ni maombi ya $50. Non, pour ça vraiment il faut amener la parcelle. Kwa hii yabidi ulete kiwanja ya kwako. Le papa ou déjà gagné les mamas, est-ce que les mamas pouvaient ajouter? Unasikia? Wa mama wameshinda wa baba. Je, wa baba mnaweza mkaongeze? Ah, les jeunes, vous manquez $30. Sasa ninyi wa vijana mnakosewa na dola 30. Les gens rentrent dehors. Ils ajoutent. Watu wanaenda nyuma wanaongeza. Vous avez un mort? Ulikufisha mtu? Pour célébrer l'enterrement, vous devez payer. Kwa kufanya mazishi yabidi ulipe. On avait amené même la facture dans l'église, on vous dit pour se repentir tel péché il faut autant d'argent. Wakaleta bei kusema kwa kutubia zambi fulani yafaa kiasi fulani ya pesa. C'est la balance. Ile ilikuwa ni mzani au kilo. Elle continue jusqu'aujourd'hui. Na leo inaendelea. Mais béni soit l'Éternel. Lakini Mungu abarikiwe. Parce qu'on n'a pas la balance ici. Sababu hapa hakuna ako mzani. On n'a jamais proclamé l'argent dans cette église. Hatuya tangazaka pesa kanisani humu. Pour vous dire amenez ceci, amenez ceci, amenez ceci. Kwa kuambia mulete hiki, mulete kile. Hapana. Ça nous donne la foi de l'enlèvement. Inatupa imani ya kunyakuliwa. Le cheval pâle. Parashi ya kijivujivu. Le mélange du blanc. Mchanganyiko ya mweupe. Rouge. Mwekundu. Noir. Mweusi. Vous trouvez quelqu'un. Il a la parole de Dieu. Unakuta mtu akiwa na neno la Mungu. Mais il peut vous tuer. Lakini anaweza kukuua. Si vous blaguez, il peut vous tuer. Ukicheza naye anaweza kuua. Alors qu'il est pasteur. Na ni mchungaji. Il peut utiliser même déjà pour vous tuer. Anaweza atumikisha watu kwa kukuua. Il a la capacité de vous nuire alors que c'est un homme de Dieu. Ana uwezo wa kukusumbua na ni mtu wa Mungu. Mais entre-temps. Lakini hata hivyo. Les choses dans lesquelles il plonge c'est très noir. Mambo yenye ana ingia kandani ni meusi. Il peut prendre la politique. Anaweza ingia musiasa. Il peut monter à la chair. Anaweza panda mimbarani. Mais aussi s'habiller de gris-gris. Na lakini anaweza vaa hirizi. Il mélange. Ana vichanga. Il a le noir. Ana jeusi. Il a le rouge. Ana jekundu. Et il a le blanc. Ana leupe. Il peut prêcher avec onction. Anaweza hubiri na upako hapa. Vous croyez que c'est l'onction de Dieu? Munawaza ni upako wa Mungu. Alors qu'il est allé consulter le marabout. Kumbe nalienda ona wafumu. Et on vous dit c'est l'homme de fire. Wanakwambia ati ni mtu wa moto. Il fait comme ça. Akifanya hivi. Vous tombez par terre. Unaanguka chini. On dit ça c'est la puissance de Dieu. Munasema ati ni nguvu za Mungu. Mais il a des choses autour de lui. Kumbe anavalia vitu. C'est pourquoi j'ai toujours juré devant. Ndio maana mchungaji alizoea hapa mbele ya Mungu. La Bible est là. Biblia iko hapa. Je n'ai jamais fait ça.
Si j'affanya yale, je suis devant l'église du Dieu vivant. La je n'ai jamais, si j'affanya, et je ne le ferai jamais, si ifanyaka, et je n'ai jamais fait ça, si et je kaile, ne le ferai jamais, si, ifanyaka kamwe, si je mentais, iki wanasema que le Seigneur me prive le ciel. Mungu aniime mbingu. Je n'ai jamais su même. Même il a pensé de chercher une puissance autre que la puissance du Saint-Esprit. Si akuaka hata na wazo ya kwenda tafuta nguvu isipokuwa zile za Roho Mtakatifu. Quelques miracles que vous verrez dans cette église ici. Muujiza yoyote mtakayoona kanisani humu. Au nom du Dieu puissant. Kwa jina la Mungu mkuu. Qui est témoin. Aliye shahidi. Ce n'est pas aussi juré que juré. Je prends le Seigneur Dieu comme témoin. Na mtoa Bwana Mungu kama shahidi. Main sur la Bible. Nikiwa na mkono kwenye Biblia. Il est témoin yeye ni shahidi wangu. Que nous n'avons jamais utilisé une puissance diabolique dans nos ministères. Tumiaka nguvu za hatuyawahi kutumikisha nguvu za mapepo katika huduma zetu. Katika huduma yetu. Hallelujah. Haiyakuwa na haitakuwaka. Et c'est ce qui nous donne la fierté. Quand nous voyons les choses se faire, tunapona mambo ya kifanyika. Nous sommes sûrs que c'est Jésus qui le fait. Tunahakikishwa kwamba ni Yesu alitumika. Parce que nous n'avons jamais recouru à une autre puissance. Sababu hatuya tafutaka nguvu zingine. Mais, lakini, dans cet âge ici du cavalier pâle, katika kizazi hiki cha mpanda farashi wa kijivujivu, souvenez-vous le cavalier pâle, le quatrième messo se trouve dans notre âge de l'Odyssée. Mukumbuke mpanda farashi wa kijivujivu inakuwa katika kizazi cha l'Odyssée. Le cavalier qui est en train de monter les églises aujourd'hui, c'est le cavalier pâle. Mpanda farashi mwenye naongoza makanisa leo huyu wa kijivujivu. Nous sommes dans le quatrième messo jusqu'au retour de Jésus. Tuko katika muhuri wa ine mpaka Yesu atakaporudi. Vous avez le noir. Muna. Vous avez le rouge. Le kundu. Et vous avez le blanc. Na muna le upendani. Les hommes de Dieu. Watu wa Mungu. Mais qui sont cachés derrière notre puissance diabolique. Lakini wakifichama nyuma ya nguvu zingine za kipepo. Quand vous vous opposez à lui. Unapopingana naye. Il est prêt d'utiliser n'importe quoi mais pourvu que tu ne vives pas. Iko tayari kutumia mbinu zote ili usiishi. Mais d'où vient le poison dans les églises, dans les ministres des églises? Sasa sumu inatokaka wapi makanisa muhuduma kati ya waamini? D'où vient le poison? Sumu, makaruwa, moi, je peux passer la journée avec les frères ici, mais j'ai peur de manger chez lui. Niwe ninashindaka na huyu ndugu hapa, tukichapa kazi ya Mungu pamoja. Lakini niwe na woga ya kula chakula kwake. Que nous terminions la réunion des ministres. Tumalize mkutano wa watumishi. Que nous ayons peur de manger la nourriture qui vient d'un ministre. Tuogope kula chakula kinachotoka kwa mtumishi mwenzetu. Non. Apana. Ce n'est plus l'église. Haingaliki kanisa. Déjà devrait fermer et rentrer. Watu wangefunga milango na kurudia. Que les gens fassent la sainte scène et qu'ils aient peur de prendre le vin parce qu'ils craignent qu'on a plongé dedans pour que quand tel pasteur ou tel révérend va boire qu'il aille mourir. Watu waogope kufanya mezi ya Bwana sababu kukunywa kwa kikombe chenye. Kwamba wasinywe sumu na waende wakafe. Baogope, bapangie mtu kumeza ke batamutilia sumu mchikombe, ke revera fulana kikuya kumeza na kunywa aende kufa. Meza ya Bwana. Iitwe meza ya Bwana. Panda farashi wa kijivujivu. Hiyo ndio. Ni mweupe akihubiri. Ehe. Ni meusa kienda kwa bafumu kutafuta dawa. Ndio. Na iko tayari kuua wenzake. Kwa sababu ya mimbari na huduma. Amene. Cavalier, cheval pâle. Mupanda farashi wa kijivujivu. Na viko leo mumakanisa. Biko. Na makanisa zilisha zika watu na watu. Ndiyo, ndiyo. Et les églises ont déjà enterré des hommes de Dieu. Makanisa zilisha zika watu wa Mungu wengi. Et d'autres sont malades. Na wengine wanagonjwa. Prétendant servir Dieu. Waki ito. Tumishi wa Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Le cavalier pâle. Mpanda farashi wa kijivujivu. C'est blanc. Ni mweupe. C'est rouge. Ni mwekundu. Et c'est noir. Na ni mweusi. Il peut utiliser n'importe laquelle des forces pourvu qu'il neutralise l'ennemi. Anaweza tumia kila nguvu anayoweza ila tu angamize adui. C'est ça. Ni ile. Il ne tue pas la famine. Anaua kupitia njaa, upanga, sauvage, wanyama et la mortalité. Na mais grâce soit
unabii. Quels seront donné les paroles prophétiques? Ambacho kitapewa maneno ya unabii. Car c'est au prophète que les secrets sont révélés. Maana siri zinafunuliwaka nabii. Quatrième et son paragraphe, ça est 8. Muhuri wa ine mtajo. Donc, nous sommes dans l'âge prophétique. Maana yake tuko mukizazi cha unabii. Là où nous devons voir même les erreurs des autres sans savoir. Et ne trouveront pas les aimés, on dit là ce sont des erreurs. Kwenye tunaweza ona makosa yenye wanafanya, lakini wao hawata ona kosa kwetu. Amen. Amina. N'oubliez pas. Na msisahau. Les âmes sous l'autel. Nafsi zilizo kwenye mazabahu. Ce sont les juifs qui ont été tués parce que ce sont des juifs. Ni wayahudi walio uawa sababu wao ni wayahudi. Des centaines de milliers morts parce que ce sont des juifs. Na maelfu wakafa sababu ni wayahudi. Mais Dieu leur a dit. Lakini Mungu kawambia. Attendez, il y a d'autres qui vont mourir. Mungoje kuna wengine watakao. Et quand je vois ce qui se fait même aujourd'hui encore, dans ce pays-là, les morts continuent à se compter. Il y a un nombre qui doit s'accomplir. C'est le cinquième sceau. On va expliquer en long et en large comment les Hitler, les Mussolini, les Eichmann les ont massacrés. Mais alors prenez le sixième sceau. Quand est-ce que les rois, wakati gani wafalme, les généraux, majemedali, les riches, matajiri, vont aller se cacher? Wataenda kujificha. Sixième sceau. Muhuri wa sita. C'est quand l'église est partie. Ni wakati kanisa litaenda. Dans la tribulation. Ni katika ziki. Pendant que nous serons dans la fête de l'agneau. Wakati takapokuwa mukalamu ya mwana kondoo. Le sixième sceau va se passer dans la tribulation. Ce sont les trois ans et demi que je vous ai parlé dans les 70 semaines de Muhuri wa sita utapitikanaka ile mwa ile miaka 3 na nusu niliyowaambia. C'est à ce moment-là que nous on est au ciel. Ni wakati ule tutakapokuwa mbinguni. Les gens qui ont raté l'enlèvement. Watu waliokosa kunyakuliwa. Les généraux. Majemedari. Les rois. Wafalme. Les riches. Matajiri. Qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ambao hawakupokeaka Roho Mtakatifu. Commenceront d'aller se cacher dans les grottes. Wataanza kaenda jificha ndani ya mapango. Ils vont dire nous ne pouvons plus résister. Wakasema hatuwezi vumilia. Grâce soit rendue à Dieu. Ashukuriwe Mungu. Parce que l'épouse ne va pas participer à la tribulation. Sababu bibi harusi hata shiriki ziki. Elle ne peut pas passer à la tribulation. Siwezi nikapite kwa mateso. Personne ne peut marier une femme et commencer à la tabasser avant d'entrer dans la chambre. Hakuna awezaye huwa oa mke wake na kuanza kumpigapiga makofi mbele amuingize mchumba. Dieu ne permettra pas que nous passions dans la tribulation avant d'aller au ciel. Mungu hataruhusu tupite mu mateso mbele tuende mbinguni. C'est pourquoi nous devons concentrer toute notre énergie. Ndio maana tunapaswa kusanya nguvu zetu zote. La sanctification. Tujitakase. Pour que cet événement du sixième soit arrive après notre départ. Ili kwamba hiyo tukio la muhuri wa sita itimilikake na tulishakaenda. Amen. Amina. Amen. Amina. Si Jean allait dire, Yohane angesemaka, je vois un âge naona kizazi, qui va commencer de 1906 kitakacho anza mwaka wa 1906 jusqu'au retour de Jésus, mpaka Yesu atakaporudi, les pasteurs vont utiliser les gris-gris, wachungaji watatumiaka mahirizi, mais ils monteront à la chair, lakini watapanda mimbarani, les brebis, wafuasi, chanteront Jésus le matin, wataimbaka Yesu asubuhi, mais dans la soirée ils iront dans l'enganda. Mangaribi wanaenda katika vilabu ya pombe. Et d'autres ont prié pour eux à l'église. Wengine wataombewaka kanisani. Mais le soir ils iront chez les féticheurs. Magharibi wanaenda tafuta wafumu. C'est ce que les tonnerres ont dit. Ni yale ngurumo zilisemeka. Que Jean n'a pas été permis d'écrire. Ambayo Yohane hakuruhusiwa kuandika. Il a écrit ça sous forme de symbole. Pour que les septième messagers viennent nous le dire. Na mujumbe wa saba ndiye amekuja kutuambia. Nous qui avons la grâce de vivre dans ce temps. Ya kuwa sisi ambao tumepewa neema ya kuishi wakati huu. Nous puissions les surmonter. Tuifikie kuyashinda. Combien de fois nous comprenons que Dieu nous aime? Mara ngapi tunaelewa kwamba Mungu anatupenda? Alors, vous avez pensé que Jean devait écrire tout ça? Sasa muliwaza kwamba Yohane angelieleza haya yote? Il a écrit seulement les symboles. Aliandika tu mifano. N'écris pas ce que les tonnerres ont dit. Usiandike yenye ngurumo zilisema. Mais selele. Tia muhuri. Mais il y a un messager qui vous le dira. Kuna mujumbe atakayo yaeleza. C'est caché dans tous les âges, personne n'a prêché ça. Ilifichwaka mu vizazi vyote hakuna aliyeyahubiri. Mais dans notre âge. Lakini mwa hiki kizazi chetu. L'âge dans lequel nous vivons. Kizazi ambamo ndani yake tunaishi. Vous pouvez voir là où les églises sont tombées. Tunaweza ona kwenye makanisa yaliangukiaka. Et nous positionner. Na kisha tunakuwa na msimamo wetu. Vous voulez amener la question de l'argent dans l'église, le pasteur vous dit, cher prédicateur, stop.
Nous ne sommes pas là pour commander l'argent. Unapotaka leta habari ya pesa kanisani, mchungaji mwenye jicho la tena kwambia angalisha mhubiri hatukuja kuombaomba pesa hapa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a une épouse. Sababu kuna bibi harusi. Qui va connaître tous les mystères. Ambaye atafahamu siri zote. Et qui doit monter. Na afikie kupanda. Vous ne voyez pas qu'empêcher les gens de prêcher les tonnerres et les sceaux, se mettre l'église dans l'obscurité. Hamuoni ya kwamba kukataza watu wahubiri kufuniwa ya ngurumo na mihuri ni kuingiza watu katika giza. Voilà. Ni hiyo. J'ai senti l'esprit me dire. Nilihisi roho kuniambia. Ne rentre pas sans survoler au moins ça. Usirudi na haulete kuelewa ya yote. Comme ça vous rentrez. Ili kwamba murudie. Ane ya umwe ni de. Mukiwa na wazo. Na kanu zalu analize so par so. Ili kwamba tutakapo chambua muhuri kwa muhuri. Umwe vuzore ni de. Mutakuwa na muko na wazo. Kurbono tete. Kwa hiyo tuinamishe vichwa. Prions un peu. Tuombe kidogo. Disons à Dieu. Tuambie Mungu. Je veux vivre comme ton enfant. Nataka niishi sawa mtoto wako. Je ne veux pas que l'esprit de tous ces cavaliers me saisisse. Sitaki naswa na roho ya wale wa panda farasi. Je veux vivre l'onction des quatre êtres vivants. Nataka niishi upako wa wenye uhai wane. Les quatre êtres vivants. Wale wenye uhai wane. Les lions. Simba. Le bœuf. Ngombe. L'homme. Mutu. Et l'aigle. Natai. Le moment viendra où nous vous parlerons de comment ces quatre onctions travaillent dans les chrétiens. Wakati utakuja tutawafasilia namna gani zile upako ine zinatumika ndani ya Mkristo. Et nous vous dirons. Tutawaambiaka. Hadi ne touche pas le vin et l'huile. Itawaambia eti msiguse mafuta na vino. Ne touche pas les gens qui ont le Saint-Esprit. Usigusake watu wenye kuwa na Roho Mtakatifu. Ils ont l'huile du Saint-Esprit. Wana mafuta ya Roho Mtakatifu. Qui adore comme des gens qui ont bu la boisson, ils sont ivres de l'esprit. Wao wanaabudu sawa vile mtu aliyekunywa pombe maana wanaabudu katika roho. Parce que le Saint-Esprit rend ivre aussi. Sababu Roho Mtakatifu analeweshaka wa Kristo. Amen. Amina. Prions tous. Tuombe sote pamoja. Nous allons passer à la prière pour notre jeune garçon. Halafu tutaombea kijana wetu. Et nous allons rentrer. Kisha tutarudi makwetu. Tuombe sote prions pamoja. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Te rendons grâce. Twakushukuru. Te remercions. Twakushukuru sana. Viens nous aider. Kuja tusaidie. De vaincre cette tâche. Kushinda kizazi hiki. Nous voulons rester fidèles. Twataka baki waaminifu. Envers toi. Kwako. Nous voulons rester fidèles. Twataka kuwa waaminifu. Envers ta parole. Kwa neno lako. Nous voulons demeurer. Twataka tudumu. Dans la sainteté. Katika utakatifu. Dans la puissance utakaso de Dieu. Katika nguvu za Mungu. Quand tu viens nous prendre. Ujapo tutoa. Tu trouves une église bien préparée. Ukute kanisa lililojiandaa kikamilifu. Merci Père. Asante Baba. Parce que tu le feras pour nous. Sababu utatutimizia. S'il y a des gens qui sont partis loin de ta volonté. Ikiwa kuna wenye walienda mbali na mapenzi yako. Ou qui se trouvent dans un système où il y a des cavaliers. Wa ambao wako katika muundo wa mpanda farasi. Visite-les. Ils en sortent très rapidement. Watoke kule haraka. Et qu'ils cherchent là où se trouve la puissance qui se base sur les apôtres. Watafute kwenye kuna kuwa nguvu zenye kusimamia wa mitume. Bénis mes frères. Bariki wa ndugu. Bénis mes sœurs. Bariki wa dada. Bénis tous ceux-là qui cherchent la sanctification. Bariki wote wanao tafuta utakaso. Quand tu viens, ujapo, et tu nous trouves prêts. Utukute tayari. Merci Seigneur. Asante Bwana. Parce que quand nous aborderons ce sujet, sababu tutakapoanza mafundisho haya siku ile. Tu auras préparé chacun de nous. Utakuwa umeandaa kila moja wetu. Pour mieux la comprendre mieux. Ili afikie kuelewa vizuri. Au nom du Seigneur Jésus. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Tunatafuta kutosha nafasi tuombe kijana na binti tunatoka mbio.